Salut les petits amis, salut, salut, salut. Du 21e siècle. Écoutez la saga d'un enfant de la manette, fan de Star et de War, de jeux et de cinéma, de comics, de Pixar et de pots de Nutella. C'est un geek, c'est un rock, c'est une péninsule. Collectionneur d'Ewok, remonteur de pendule, on l'appelle Monsieur Huss, l'intrépide au grand cœur. Mais son vrai nom c'est Marc, le boulet du gamer, c'est le Marcus, Marcus, le Fus and Lazarus, qui danse la Chewbacca entre deux balles de bitard. C'est le Marcus, Marcus, le Fus and Lazarus, ton ami pour la vie. Level 1, souviens-toi, c'était bien, c'était lui, le pionnier des programmes pour players affranchis. Mais non, mais ça marche. Qui réinventait Doom au fond d'un corridor. Oh, mais non, mais là, avec une tête de clown et les moyens du bord. De ta vieille Super NES au dernier Mario Kart, il a fait tous les tests, essuyé tous les plâtres, il a tout chroniqué. Et des records, et après tant d'années, on en demande encore. Avec Marcus, Marcus, le Fus and Lazarus, bidon le buzz éclair, tous les zinzins du software. Le Marcus, Marcus, le Fus and Lazarus, notre ami pour la vie, comme dans Toy Story. L'Atari et au qui danse la Chewbacca entre deux parts de pizza. Yeah. C'est le Marcus, Marcus, the first and last of us. Ton ami pour la vie et le mien aussi. Marcus, Marcus, the first and last of us. Marcus, Marcus, the first and last of us. Marcus, Marcus, the first and last of us. Marcus, the first and last of us. Marcus, 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 Marcus. Ah, bah c'est fini. Salut les petits amis, bienvenue à bord. God save the Queen. Vous avez entendu la news? On n'a plus de reine d'Angleterre depuis que je suis tout petit. Même moi. C'est la même reine d'Angleterre depuis le début. Et ben voilà, c'est fini. The last queen is dead. Ça y est, c'est ce soir. Donc, spéciale dédicace à Elisabeth. Pendant toutes ces années, quand même, on nous a accompagnés. C'était beau, voilà. Après... on va faire la fête. Enfin, en même temps, j'ai pas choisi le meilleur jeu pour faire la fête. C'est vraiment le jeu le plus plombant qu'on puisse trouver. Donc finalement, on est raccord, hein, mais on va essayer d'être joyeux quand même ce soir. Surtout qu'on a des belles choses à fêter. L'anniversaire de Kiba, regardez! Tout le monde, j'ai même pas eu le temps de le dire que voilà, déjà tout le monde est là. Bon anniversaire, mon Kiba! Fidèle téléspectateur qui vient me voir tout le temps sur les salons avec des cadeaux et tout ça. Faut arrêter les cadeaux, hein, les amis. J'ai pas la place dans les valises pour les ramener. Donc voilà. En tout cas, mon Kiba, bon anniversaire. Je sais pas à quel level tu es, mais voilà. En tout cas, bravo. T'es bien conservé. Tout va bien. donc voilà. On va avoir des trucs festifs et des trucs moins rigolos puisque donc on va se plonger dans le remake de Last of Us Part 1. Et encore, je vais vous épargner le tout début, la première. J'ai zappé le premier chapitre parce que c'est trop déprimant. C'est trop déprimant. Donc on va commencer tout de suite. C'est un flashback en fait où, bon, il perd sa fille. Hein, donc, pauvre Joël. Donc c'est vraiment direct, ça aurait plombé la soirée, je me suis dit. Donc voilà, bon, pas de bol, paf, la reine qui clapse. Bon, c'est pas grave. Je sais pas, est-ce que ça vous touche ou pas, je ne sais pas. Vous allez me dire, les amis. En tout cas, je vois que tout le monde est là, je vois que Jade est là.
Papa Nours, bonsoir Papa Nours, le raton lover qui direct est renominé pour le meilleur pseudo, il l'avait été la semaine dernière, c'est peut-être cette semaine raton lover, croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de pseudo aussi bon que le tien, franchement il y a du level donc normalement ça devrait bien se passer, c'est peut-être ce soir. Ce soir qu'est-ce qu'on gagne les amis, pour le meilleur pseudo, peut-être pour toi raton lover, va savoir, le petit cahier de Game One, le cahier de rentrée. Tu pourras noter tout ce que tu veux, voilà, ça, une forme évocatrice, j'aime beaucoup, voilà, il m'en restait quelques-uns, j'en profite, c'est la rentrée, ça fera un beau truc pour l'école, si tu as des enfants, ou même pour toi. Et la meilleure vanne ce soir, j'ai eu la chance, j'ai reçu les éditions collector de Fist, souvenez-vous, j'avais fait en level 1, il est vraiment sympa ce jeu, c'est un jeu de plateforme en 2D, semi-3D, avec des animaux, avec des armures, genre des trucs hyper high-tech et tout, mais en même temps c'est un peu steampunk, j'aime beaucoup ce jeu. Et là, ils m'ont envoyé l'édition collector, comme moi j'ai déjà le jeu de base, et ben voilà. Ça, ce sera pour la meilleure vanne de la soirée. Merci l'ange noir pour le sub, c'est gentil. Ben voilà, je vois que mon Preda Mike est là, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On va qu'on reparle de Predator tous les deux. Le Goldoraf est là. Merci pour les affiches, mon Goldoraf. Quand ils viennent pas m'amener des cadeaux, en vrai, ils les envoient par la poste. Mon Dieu. En tout cas, ma petite femme est très contente. C'est un poster de Downton Abbey, le film, elle adore Downton Abbey. Elle est prof d'anglais, ma petite femme, vous le savez, je crois que je vous l'ai dit. Et du coup, elle va mettre ça dans sa classe. Donc ça va être superbe. Je vois le JR Zombie qui est dans le coin aussi, qui a gagné brillamment mercredi dans Team Game One. Merci Wikipédia pour le sub. Voilà, je vois tous les habitués, ça fait vraiment plaisir. Le cochon à plumes, bien sûr, est là. Le support de Satan aussi. Mon petit Vlacero est là aussi, bien sûr. Vlacero, ça me fait penser que ce week-end, dimanche, je suis à la PopCon de Toulouse. N'hésitez pas à venir me voir. Vlacero sera avec moi, donc en plus, vous êtes deux pour le prix d'un. Donc n'hésitez pas à passer. Attention, je n'y suis pas samedi, j'y suis que dimanche. Il n'y a pas de billetterie sur place, il faut prendre vos billets sur le site de la PopCon. Voilà, c'est le 11 septembre. Oh, les dates... les mauvais présages, c'est terrible. Lilith, vous viendrez à Brest? Eh ben parfait, je suis à Brest bientôt aussi. Oh mon dindin va bien vous remettre la liste de tous les salons auxquels je participe. Ça y est, c'est la rentrée, là ça va commencer à s'accélérer. Il y aura Valence déjà dans deux semaines pour mon Galaxy. Donc voilà, je suis en approche les petits amis, je vais publier là bientôt. Cette semaine je vais publier la liste de tous les salons jusqu'à 2023 en fait, parce que il y a déjà des trucs pour 2023. Voilà, c'est que la première partie. Mais voilà, je vais mettre ça. Ah, Big Phil est content que je vienne à Valence. Super. Salut mon Wikipédia, mon Dindinx est là pour veiller sur nous, bien sûr, j'avais parlé de lui. Merci mon Dindinx d'être là. Je pense que Timerson ne doit pas être bien loin, à moins qu'il soit en train de donner le biberon, c'est possible. Encore une félicitation. Qui voit? Je vois Malex Kawaii, bien sûr. Je vois Club des Ratés, la petite famille geek. André, je t'ai envoyé ton... Ah oui, bon, pas de spoil. J'ai envoyé quelque chose et voilà. Et c'était mercredi dernier, ça a raté. Donc voilà, je l'ai renvoyé aujourd'hui. Enfin, hier. Donc normalement, tu devrais l'avoir demain. Voilà, c'est voici quelques messages personnels. C'est vraiment le... Ici, Londres. Oh bah non, pas Londres. Oh putain, oh, ça va être horrible de pas faire des vannes là-dessus. Bon, en même temps, elle est pas très sympa quand même, la vieille, non? J'ai eu son jubilé il y a quelques années, et tous les Anglais étaient là comme des fous, c'était très sympa, je trouvais. Je la trouvais pas très souriante, en fait. Elle était là, alors elle était fatiguée, hein, je sais pas, mais... Non, c'est pas la bonne grand-mère qu'on avait envie d'avoir, c'était un peu la grand-mère pète sec qui vous refile des gâteaux apéritifs un peu moisis, vous voyez le genre. C'est plus ce genre-là, je trouve, que la bonne mamie qui fait des confitures et des gâteaux. Voilà, bon, en tout cas, bon, bah, voilà. Alors, après, c'est le prince Charles qui devient roi, c'est incroyable ce truc. Tante Frida, oui, c'est ça, 2-3 soleils, ce genre de truc. 96 ans, c'est un bon score, on est d'accord, Antoine, c'est vrai, c'est pas mal. Les hémorroïdes, peut-être, propose Big Lebowski. Ouais, c'était peut-être ça. Un peu Geneviève de Fontenay, ouais, tout à fait, mon Snekou. Oh là là, oui, c'est ça, c'était Mamie Nova, dirait du plombier. Tu préfères les DualSense ou les Big Ben? Oh, ça y est, ça commence les vannes. Ça y va, très bien. Et ben allez, on va lancer le jeu. Je vais mettre le jeu tout de suite et on va commencer. Donc c'est un remake. Moi, vous savez qu'en général les remakes, je fais pas la différence. Vous mettez les images de l'original et les images du remake côte à côte. S'il n'y a pas écrit PlayStation 3, PlayStation 4 de chaque côté, j'ai vraiment du mal à voir.
J'ai pas d'écran 4K à la maison, donc je me rends pas trop compte. Voilà, elle est 60 FPS. Honnêtement, je dois être myope, mais je sais pas, je sens pas trop ces choses-là. Mais là, franchement, vous allez le voir, si vous avez déjà joué à Last of Us Part 1 il y a longtemps, en 2013, c'est sorti il y a presque 10 ans, quoi. Vous allez voir qu'ils ont vraiment là remodelé les visages. Il y a beaucoup de choses qui ont vraiment changé, ça se voit à l'œil nu, là, pour une fois. Et donc, ça vaut le coup. Même si je crois qu'il est assez cher. Donc, si vous l'avez jamais joué, je dis tout de suite ma conclusion. Si vous n'y avez jamais joué, il faut absolument l'y jouer. Là, c'est le prétexte pour s'y mettre, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, vraiment, il faut pas louper ça. Même si vous avez fait le 2. Parce que le 2 vous permet de réévaluer un peu votre façon de jouer. Donc, c'est très intéressant de jouer au 1 après le 2, en fait. On en reparlera au fur et à mesure. Et si vous l'avez déjà, vous l'avez déjà fait en 2013. Je dirais que c'est la bonne excuse pour le refaire. Moi, j'ai refait Portal cet été, comme ça, parce qu'ils ont ressorti un bundle. C'était même pas un remake, mais il y avait un bundle avec Portal 1 et 2. Et il y avait le... Comment ? Il n'y avait même pas de remaster et tout ça, mais c'était le prétexte pour replonger. Puis Portal, il mérite qu'on leur donne des sous, quoi, c'est clair. Et puis Last of Us aussi, c'est tellement génial, ce jeu. Voilà. Coucou Audrey Haute-Force ! Tout le monde va bien, hein, tout le monde va bien. Content d'être de retour le jeudi. Allez, je lance, comme ça, on va tout de suite commencer avec des cinématiques. Et donc je vous ai zappé le premier chapitre, j'étais sympa avec vous, sinon ça plombait la soirée, je vous jure, c'était terrible. J'ai rejoué évidemment moi, et j'avais oublié à quel point c'était, ça prenait aux tripes quoi, c'est vraiment des choses qui sont dures quoi, vraiment. Donc c'est vraiment des... c'est très émouvant ce jeu quoi, voilà. On va essayer d'en faire quelque chose de rigolo ce soir. Mais c'est pas gagné. Ah, Couchard Plume aussi, tu as refait Portal et Cult of the Lamb, on a eu le même été, voilà, exactement. Et Power Drome aussi, je sais pas si tu veux, Roller Drome, pardon, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et voilà Joël, vous avez vu ma vignette, hein, je vous la refais voir juste pour le principe, même si elle est hyper mal cadrée, il faudra qu'on règle ça, mon Timursan. Regardez, la ressemblance est assez frappante quand même. J'ai fait un copier-coller de mes cheveux, je les ai rajoutés sur le sur le côté. C'est lamentable. Mais ça fonctionne. Et une petite ressemblance. Bon, il est plus beau gosse que moi, je reconnais. Bon, on verra dans les cinématiques son visage, vous verrez que ça s'est vraiment amélioré. Ils ont le regard beaucoup moins vide qu'avant. Encore, bon, franchement, dès le début, c'était magnifique, hein, mais là... on atteint vraiment des sommets. On a le niveau de Last of Us 2, finalement. Est-ce que tu veux bien m'ouvrir, Cocotte, s'il te plaît? Voilà, j'ai oublié mes clés. Merci. Voilà. On me dire, tiens, je vais pas... La luminosité est pas top. Je vais monter la luminosité. Vous allez me dire si... comment? Si chez vous... si le son est bon, par exemple. Luminosité. Clac. On va la monter un peu. Voilà, parce que on va quand même faire des trucs très sombres. Donc ce serait dommage que je vois rien. Et que je me fasse tuer pour des bêtises. Ah voilà, c'est mieux. C'est mieux pour moi. Peut-être mieux pour vous aussi. On n'a pas de lunettes, dit Club DRT. Et moi j'en ai des lunettes maintenant. Et souvent. Là je fais le coquet, je ne les mets pas, mais... Mais souvent, quand je joue maintenant, je les mets. Surtout quand il y a des trucs petits écrits. Voilà. Donc voilà, une ville dévastée. Des... Vous voyez les magasins avec les tissus des hauts vents qui flottent au vent, tout déchiré. Montreuil, quoi. Vraiment, là. Avenue Jean Jaurès à Montreuil. Non, c'est rue de Paris, je crois. Montreuil qui ressemble un peu à ça. En moins sympathique. Donc voilà, petite balade dans Montreuil. Voilà, je rigole, c'est Boston. Ah, voilà. Mais, comme si on avait transformé Boston en Montreuil. Alors voilà, des violences policières, ça commence. Je vais pas trop approcher, parce que si je me rapproche encore, c'est la fin pour moi. Je peux tout à fait mourir, là, si j'insiste un peu trop. Donc voilà, ils sont un peu sur les nerfs, là. Je vais pas trop les chercher. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. Mais regardez ça, la lumière et tout, c'est quand même fou, quoi. C'est fou. Il y a vraiment... C'est vraiment magnifique. Merci Coolestérol qu'on va nominer tout de suite pour le meilleur pseudo. De toute façon, te remercier aussi pour le sub, mais vraiment le pseudo est très bien. Bravo. Un vrai fil, on est d'accord, Marcus. Ah, Marcusoff, c'est toi mon sosie officiel.
Le drapeau américain qui flotte toujours sur la merde. Quoi qu'il arrive, ils ont toujours leur drapeau. Un peu déchiqueté, mais allez, ça flotte quand même. Donc ça, c'est la zone de quarantaine. Regardez, voilà, on va commencer à voir les visages. Et vous voyez que c'est un peu plus détaillé. Le marché aux puces de montre. Oui, c'est ça, Penny Hellman. Salut, Imac. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Ah, Trépitre, très bon pseudo aussi, je vais le nominer. Oh mon Dieu, une explosion. Allez, Luciole. Alors, vite, je me retourne et je cours rapidement. Voilà. On est vraiment au tout début du jeu. Hein. Ça va être les premières séquences d'action. Encore une fois, j'ai juste zappé le premier chapitre, le flashback où Joël perd sa fille. Et non, je peux pas commencer la soirée là-dessus. C'est trop horrible. Salut Couscous Merguez, qu'est-ce qu'on aime ton pseudo. Chaque fois dans Level 1, dans Game 1, sur Game 1, quand on voit ton pseudo apparaître dans les tweets, ça nous fait rire. Alors, ben voilà, j'ai un kit médical, c'est très bien. Mais je vais bien, donc je vais peut-être pas l'utiliser tout de suite. Ah, ils veulent absolument que j'utilise. C'est gâché, parce que franchement, j'en aurais plus besoin après, mais bon. Ah, est-ce que j'ai du courrier? Est-ce qu'il y a mon nom sur les boîtes aux lettres? Non. Les boîtes aux lettres sont défoncées. C'est vraiment mon treuil. Vraiment mon treuil. Allez, on va suivre Tess. C'est ça. Regardez ça, les ombres. Hey Tess, t'as vu ce bordel? J'y étais. Ça donne quoi dans le tunnel Est? RAS. Et la VF est vraiment exceptionnelle. Je trouve que vraiment, ils ont tous des voix parfaites. Les comédiens de doublage ont fait vraiment du beau boulot. Marlène, c'est super. Elle se renseigne à droite. Bienvenue, Perexon, c'est cool. Je le veux, s'il te plaît, j'ai une blague. Ah, vas-y, vas-y. Alors, c'est pas des blagues chez nous, attention, attention. Je vois Nico Dodge aussi qui est nouveau. C'est pas des blagues chez nous. C'est plus subtil que ça, c'est pas des blagues de Toto. C'est si tu réagis à un truc qui se passe ce soir, tu fais ta vanne et voilà. Et là, peut-être que tu décrocheras le gros lot, donc le jeu Fist en édition collector. Pas de vanne grave le surfiste, on les a déjà toutes faites, je vous rassure. On ferait bien de le retrouver avant les lucioles. Typiquement, pour donner une idée, la semaine dernière, c'était la vanne, c'était on a des tortues ninja et c'était... je suis mort et quelqu'un dit « Ce qui ne nous tortue pas nous rend plus fort. » Voilà. Donc voilà, faut que ce soit dans le contexte aussi. Ça peut... Après, il y a des vannes surgelées, vous pouvez les préparer avant le live et puis essayer de les caser au bon moment, ça marche aussi. Mais je vous vois, mais je vois bien, je sais que vous êtes capable d'inventer et de comment dire, d'improviser au fur et à mesure. Joël, tu peux m'aider à pousser ça? Alors, pousser quoi, lui? Le clodo, là, sur le canapé. Donc, vous voyez, je trouve que, voilà, ils ont amélioré les visages, mais encore pas trop. Lui, vraiment, on dirait qu'il regarde dans le vide. Bon, il a peut-être pris de la drogue en même temps, mais voilà, il n'est pas au top. Alors, peut-être qu'ils ont remodelé les personnages principaux et peut-être un peu moins les autres. Mais je trouve que, voilà, en plus, cette position prête un peu à confusion. Je vais donc pas rester là. On va plutôt aider Tess à bouger. Ça, elle voulait parler, évidemment, de cette grosse télé écran plat coin carré des années 80-90. Avec un magnétoscope VHS, dis donc. Faites attention. Incroyable, je croyais que c'était le futur. Merci Jojo, hein, c'est sympa. Je te ramène une bière, à tout à l'heure. Alors, allons-y. Il va peut-être allumer ma loupiote parce que... On peut pas voir grand-chose. Ah bah, très bien. On parle de lumière, ça lui... Je vais donner l'idée. Alors, normalement... Ah bah, j'ai pas encore ma lampe torche. Un générateur. Je vais quand même fouiller pour voir si je trouve pas des petits ingrédients pour me confectionner des trucs. Ah, regardez ça. La lumière sur le sol humide et tout. C'est vraiment bien. Merci mon club des ratés, c'est gentil pour l'abonnement. Ah là là, j'aime bien les raies de lumière comme ça, je trouve ça classe. Dans un film de DJ Abrams. Mais regardez, ça suinte. On voit que ça suinte. Tiens, une petite goutte sur ma chemise. Je sais pas si vous l'avez vu tomber. Ouais, je trouve que c'est vraiment... Ils ont atteint le niveau technique de Last of Us 2, finalement. Nos sacs sont là depuis la dernière. Donc ça vaut vraiment le coup. Après, il est assez cher. J'ai pas regardé le prix, du coup. Moi, je l'ai eu gratos, mais... Mais je crois qu'il est à 70 euros, voire plus. C'est quand même très cher si vous l'aviez déjà sur PlayStation 3. Si en plus vous aviez acheté le remaster sur PlayStation 4, je ne lâcherais quand même pas, moi, 70 euros pour la version PS5. Mais passer de la première version PS3 à la version PS5,
Ça peut un peu plus se justifier. Il est à 80 euros en club de raté. Ah ouais. J'ai toujours tendance à dire que ça vaut le coup. Quand des gens font des jeux vraiment qu'ils méritent, genre GTA par exemple, bah j'aime bien payer quoi. Je trouve qu'ils méritent d'être encouragés, etc. Après, bon là, c'est quand même des grosses boîtes. Pas forcément besoin d'être encouragé. Voilà. Mais bon, voilà. Encore une fois, si vous l'avez jamais fait, c'est indispensable. C'est vraiment indispensable. Et sinon, ouais, 80, non, c'est quand même cher. Non, je crois honnêtement, je remettrais pas 80 euros dedans. Je reprendrais le. Ça me donnerait envie de reprendre le premier, enfin, l'original, on va dire. Mais je crois pas que je lâcherais 80 euros, ouais. Vous me direz, on va faire un sondage à la fin. Alors, elle a rallumé, mais j'ai pas regardé où il fallait aller. Et puis, c'est pas un jeu où il y a des boussoles et des trucs qui vous indiquent où faut-il aller. Enfin, de dire que c'est là quand même. Je me contredis tout seul. Tess, je vais te faire la courte échelle, ma grande, si tu veux bien venir. Je regarde ce truc-là. Voilà. Si on l'a jamais fait, est-ce que 80 euros c'est raisonnable? Je trouve que oui, vu la qualité du truc. Il n'y a pas 40 000 jeux qui ont ce niveau d'écriture. Là, tout ce qui est action et tout est génial, mais c'est un jeu devant lequel j'ai pleuré. Il n'y a pas. En ma vie, j'ai dû pleurer devant 4, peut-être 5 jeux. J'ai pleuré dans le premier Last of Us, dans le deuxième. Voilà, c'est des jeux qui te prennent vraiment au trip, qui t'emmènent dans un truc qui est quand même long, donc il y a de quoi faire. Alors il y avait un mode multijoueur dans l'original qu'ils ont rajouté après qui n'est pas là, ils n'ont pas remasterisé ça. C'est bizarre d'ailleurs de se dire qu'ils n'ont pas fait le truc jusqu'au bout, mais voilà. Alors regardez le diner américain typique, ça cool. Vraiment il y a des ambiances en fait qui se dégagent de chacun des décors, c'est assez fou quoi. On va faire de l'urbex. Le jukebox bien sûr il marche plus, hein. Toujours rêvé mais... J'étais pas venu ici depuis un bail. On dirait un rancard. Ah, et encore les parkmets, ouais. Ces saloperies résistent à l'apocalypse, c'est quand même moche. Ah, c'est moche. Sur PS4, c'était un remaster, pas un remake. Oui, tout à fait, le Hit Gaming. Tiens, tant qu'on y est, regardez, je vais marcher un peu dans l'eau. Juste pour faire voir, voilà, l'amélioration de l'eau. Ça, par exemple, ça se voit. C'était déjà assez réussi la première fois, mais ça l'est encore plus. La végétation aussi, enfin tout, c'est fou, quoi. Vraiment, ah, puisque ouais, j'adore ces petits flares là, ces petites lumières là, je les trouve assez dingue. Puis la bande son, la manette, ah oui, la manette utilise très bien les vibrations, plus fin et subtil que dans le premier. Voilà, c'est peut-être des détails, mais bon, voilà. Elle doit être quelque part dans je trouve que c'est un peu, voilà, c'est le prétexte pour s'y remettre en fait. Alors, une échelle. Je vais voir par là. Je fouille pour essayer de trouver des choses intéressantes, mais pour le moment, pas beaucoup de matériel encore. La nature sur les bâtiments, c'est joli comme tout. Ouais. Kira, on sent l'amoureuse de la nature. Et oui, la nature a repris ses droits, comme on dit. Elle a repris l'échelle, surtout, parce que normalement, j'ai une échelle à mettre là, et je sais pas où ils l'ont foutu. Ah, c'est là. Ah bah, ça va. Super, apporte-la ici. La végétation n'a pas envahi l'échelle. Ça me fait penser tout à l'heure, je regardais, je sais pas si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux, la série sur Amazon, qui est assez fabuleuse. Tout est ultra looké, et chez les elfes, même une échelle, à un moment, t'as une tour et une échelle, et l'échelle est hyper ouvragée, ornée, c'est juste une tour de guet, en fait. Et vraiment, c'est ornementé, c'est magnifique, avec des petites boiseries et tout, c'est incroyable. C'est pas de l'échelle en métal comme on a là, j'aurais pu faire un effort. Le petit salon. Ah, lui, il avait un écran plat. Comme quoi, on devait être chez un vieux dans l'autre immeuble, peut-être. Alors, ça y est, maintenant, j'ai ma petite lampe. Donc, quand on est... Voilà, là, par exemple, si j'ai pas ma lampe, j'espère. Je suis mal. Donc, on va allumer un petit peu. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir l'écouler facilement. Très réussi, c'est un anneau, vous êtes d'accord? Merci, super machin, c'est gentil pour... Ton abonnement. Ouais, Seigneur des Anneaux, très très bien. Le seul problème, c'est que en même temps, je regarde House of Dragons, c'est que
Des fois, ça se mélange pas, mais je dis, c'est quand même un peu le même genre d'univers et tout. J'ai du mal à suivre deux séries en même temps. Je regarde She-Hulk aussi en même temps, donc c'est compliqué de suivre plein de séries en même temps, en fait. Et puis surtout deux séries assez proches l'une de l'autre. Ah, ça pue, donc on... j'ai pété. Donc on va mettre le masque à gaz parce que il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Ah, c'est le linge sale, c'est ça, c'est la corbeille de linge sale qui pue. Une équipe de foot qui... Même le truc anti-tache n'arrive pas à éliminer les odeurs. Il y a des produits pour ça. Regardez ça, n'empêche les petites poussières en suspension dans l'air, c'est vraiment ultra détaillé. Voilà ce qu'on cherchait. Ah, un rat. Ah bah voilà. Ah bah c'est Paris, j'ai dit Montreuil, mais c'est Paris. Il y a des rats, c'est Paris en fait. C'est les chaussettes de Janus, dit Dindax. C'est possible. On dirait chez Julien Telouk. Ah non, c'est très grand chez Julien, pas du tout. Il y en a plus chez moi, le côté mal rangé, c'est plus mon bureau à moi. Ouf. Il a dit un gros mot. J'espère qu'il n'y a pas d'enfant, mais enfin, normalement, hein, si vous êtes raisonnable, il n'y a pas d'enfant là avec nous ce soir. Vous savez que c'est 18 plus, voire 28 plus, quoi, tellement. Tellement c'est flippant, j'avais oublié à quel point c'était flippant. Quand vous vous retrouvez dans des endroits... bon, y a les humains sont assez tordus. Les zombies, ça va, sont pas très malins. Mais comment ? Bah, lui, il est pas mort, mais... Ne me laissez pas muter. Ah. T'es muté en province ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Alors, qu'est-ce qu'on fait, les amis ? Il veut pas muter. Je pense que c'est le film de Danny Boone, là, vous savez, où il est sur la Côte d'Azur et on le mute dans le Nord. Alors, Alex Kawai dit tire. plutôt que d'aller dans le Nord, Pas-de-Calais, c'est ça ? C'est Mask Singer. Attendez, on va voir sa tête un petit peu. Ah, ouais, mais bon, il est coincé sous un meuble, mais un meuble, ça s'enlève. Après, il a été mordu, donc oui, c'est sûr, il va muter. Bon, allez, le vote du public. Dites-moi ce que vous en pensez. Pas de pitié pour les croissants, dit Alex Kawai. Il faut le faire taire, il faut appuyer sur mute. Ça va tirer les claqueurs. Prends-lui son masque. Mort, oh là là, vous êtes dur, vous êtes sans pitié. Bon, allez. Ah, non, moi, je l'avais tué la première fois. Je vais le laisser. On va voir. Ouais, en même temps, il va crever sous un meuble. Bon, allez. Bon. Un dernier mot, une dernière parole. On fait mieux comme dernière parole. Allez. Alors pour cette fois, on s'en contentera. On dira à ta famille que tu as pensé à eux jusqu'au dernier moment et que t'as dit. Allons-y. Oh mais c'est dégueulasse. Qui a mis des trous du cul sur le mur? Mon Dieu. C'est sale. Je vous avais prévenu que ce serait sale. Pas envie de respirer là. C'est sûr que. Alors on dirait la salle d'attente. Qu'est-ce que c'était ici? Natal and Vegard Legal Group. Ah, c'est des avocats. Non, je dis ça, j'ai des amis avocats. Pas dire du mal des avocats. C'est plutôt des gens bien d'ailleurs. Pourquoi je dirais du mal? Allons-y. Ça dépend. Maître Collard, par exemple. Crevez, Maître Collard, ça va. Franchement. Ceux qui ont connu. J'ai ici une enveloppe. Référence pour ceux qui connaissent. Il ne manquerait pas en cas de réseau de zombies, franchement. Allez, alors regardez, je peux tendre l'oreille, ça me paraît de voir à travers les murs. Dit comme ça, c'est bizarre, mais c'est bien pratique parce que ça permet de savoir ce qu'il y a derrière les murs. Donc ça, c'est des zombies normaux. C'est pas le genre à traîner la patte comme dans les vieux films de zombies. Ils peuvent être très très rapides, mais ils sont faciles à avoir en mode infiltration. Voilà, comme ça, de dos. Ça se passe bien. En plus, ils sont pas trop sensibles à la lumière. Ah, il y en a encore deux autres, là. Donc, j'ai pas forcément besoin d'éteindre ma lampe. Ils vont pas forcément me repérer. Ils sont en train de manger quelqu'un. J'ai peut-être... Il est très occupé, celui-là. Oui. Bam. Oh, ça a été assez rapide. Ah, mais j'ai raté. Je vais peut-être le payer assez cher. Ah, surprise. Oh. Ah bon, bah tant mieux.
Ouf. Donc je vous disais, ceux-là sont pas les pires parce qu'ils sont un peu bourrins, ils détectent pas la lumière. Par contre, ils ont l'odorat, l'ouïe. Je confonds tous les sens. Ils ont l'ouïe assez fine, donc faut quand même faire attention à ça. Et ils sont pas très malins, quoi. Ils vous foncent dessus, c'est tout. Mais ils peuvent foncer très vite, donc on peut très vite se faire déborder. Faut vraiment faire gaffe à ceux-là quand même. Toujours être sur ses gardes, quoi. Après, il y a les humains. Donc eux sont plus vifs, plus malins, ils peuvent vous prendre à revers. Eux sont sensibles à la lumière, ils vous voient arriver. Ah, un petit coca peut-être. Ah non. Non, bah tout a été déjà bu. Ok. Ils ont loué à 14. Bravo, fais ce cœur. On va nominer cette première vanne, mon dindin. C'est n'importe quoi, mais c'est drôle. C'est cauchemar en cuisine. Bravo, Nico. On va aussi nominer Nico pour ses cauchemars en cuisine. Ça y est, ça parle, les vannes. En même temps, je lisais pas trop avant, du coup, c'est peut-être pour ça aussi. Et donc, les humains, eux, faut vraiment s'en méfier parce que, évidemment, ils sont plus malins. Peuvent vous tendre des pièges, etc. Et puis, il y a les claqueurs. Alors là, c'est l'horreur parce qu'ils sont très, très résistants. Une espèce de carapace, de coque qui fait qu'ils sont très, très durs à buter. Et on peut les buter par surprise, mais il faut fabriquer un petit surin pour les. Pour les planter, quoi. Merci, Odule, c'est gentil. C'est assez tendu. Donc voilà, avec ce genre d'adversaires, après il y en a d'autres, mais déjà, c'est les trois adversaires principaux qu'on rencontre. Et c'est vraiment chaud. Faut vraiment s'adapter à chacun. J'en viens de là. Raison d'y aller. Allez, hop. Je n'aime pas trop marcher sur des planches pourries, mais je vais y aller. Le surin, c'est pour le Covid, Denis. Les snacks, oui, c'est ça. On va les vacciner. Voilà, là je suis en extérieur, je peux retirer le masque, c'est comme pendant le Covid, quand vous êtes dans un endroit exigu, dans le métro, tout ça. Voilà, vous pouvez remettre votre masque et puis vous l'enlevez quand vous êtes dehors. Il y a bien une chose que j'aime ici, c'est ça. Ça quoi ? Jacuzzi ? T'auras qu'à demander du désodorisant à Bill. Hey, ce serait une bonne idée s'ils n'étaient pas tous périmés. Alors jusqu'ici, j'ai un peu couvert les dialogues, mais les dialogues sont vraiment sympas. On prend plein de petits détails sur leur vie quotidienne, sur toutes les restrictions auxquelles ils doivent faire face. Comme nous, bientôt, en fait. C'est un futur très proche. Méfiez-vous. On approche très vite de Last of Us. Voilà. Là, on va avoir des petites cinématiques, je pense, où vous pourrez regarder bien leur visage. Vous pourrez en profiter. Oh, le vieux matelas, ça donne pas envie de dormir là. Salut M4 The Original, le vrai. Bienvenue chez nous. Très, très bon pseudo, toi aussi, bravo. Ah. La planche est tombée. Mais qui c'est qui enlève les planches et les échelles? Je vais tout faire moi-même là. Lord Tenchikoro, il va se coucher. Ah bah, peut-être tu travailles demain. Bah, bonne soirée, merci d'avoir été avec nous. Ouais, j'y vais. Allez, et hop, passe-moi la planche. Vas-y, passe-la moi. Il dit. Je devine les dialogues avant qu'il dit. Marcus First and Last of Us. Oui, c'est Tom qui avait mis ça dans la chanson, dans la chanson de générique. Ça marche très bien. Bah du coup, c'est très approprié pour ce soir. J'ai mis The Last Marcofus ce soir. Comme sous-titre, vous avez vu. Au-dessus de ma tête, là, sur les... Que des fois, oui, je fais des petits trucs sur les overlays, je peaufine, je touche à rien, hein, c'est Timmersan qui m'a pratiquement tout réglé, et peaufine des détails, mais voilà. Tout seul, je suis infoutu de faire quoi que ce soit. Déjà, j'arrive pas à jouer, je vais pas en plus m'occuper vraiment de Twitch et des détails techniques, de tout ça. Mon cerveau est bien trop petit pour ce genre de choses, heureusement que j'ai des amis. Oh là là, les raies de lumière et tout, non mais, incroyable. Incroyable. Eh oui, il travaille le vendredi. Eh oui, je sais bien. Oh bah, t'es pas le seul. Attendez, il y a un petit truc là-bas. Il brille un tout petit peu. On va le ramasser. Oh, une barre chocolatée peut-être. Ça doit être un truc de... Ah, c'était une brique. Ah non, c'est des matériaux. Ça doit être un truc pour faire des pansements. Voilà, c'était un petite compresse. Du coup, je peux pas l'utiliser tout de suite. Allons-y. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. C'est bon, on y va. T'as regardé un peu vite.
je lui fais confiance, mais voilà. Mon fils adore chez Marcus. Enfin, les moines disent, ah bah oui, André, je préfère. Et oui, on fait très attention à ça, aux âges. D'ailleurs, de toute façon, même si on faisait pas attention, le CSA, ou je sais plus comment ça s'appelle, là, le Zarkom, je sais pas quoi, là, on verra un nom de méchant dans un dessin animé. Ils nous interdisent, en fait, on n'a pas le droit légalement de montrer des jeux 18+, avant 22h, je crois. Donc, dès qu'il y a un level 1 18+, typiquement Last of Us, il est tourné hier matin, il sera diffusé tard le soir, quoi. Voilà. Ce qui est très bien, parce qu'il faut pas que les enfants voient des choses qu'ils ne devraient pas voir. On sait quand j'étais petit avec ma sœur, je racontais ça à mon biographe, vous verrez ça dans ma biographie par mon ami Jérémy. Je vais raconter cette anecdote, quand j'étais petit avec ma sœur, il y avait un aquarium dans la salle à manger, et des fois on se cachait derrière l'aquarium pour regarder la télé quand on n'avait pas le droit. Et un soir on a voulu regarder Un justicier dans la ville avec Charles Bronson. Et ça commence par une scène horrible de viol de sa femme et sa fille, je crois, qui sont poursuivis par des voyous. Et il les frappe, il les viole et tout. Et nous, on était derrière notre aquarium à regarder ça avec des scalaires et des néons qui passaient devant. Et on s'est regardé, on s'est dit, ouais, on va se coucher en fait. Et on a jamais dû regarder ça, ça m'a traumatisé ce film, vraiment. C'était terrible quoi. Je l'ai revu après en fait. Et du coup, heureusement, il y a un truc qui a détourné mon attention, c'est que parmi les voyous qui commettent ces atrocités, il y a Jeff Goldblum. Et du coup, c'est. C'est tellement bizarre de le voir là que bah, ça m'a sorti du film finalement. J'ai dit, mais Jeff Goldblum, il fait ça. Et après, il s'occupe des dinosaures dans Jurassic Park. C'est très bizarre. Et du coup, j'avais pas été aussi ému que j'ai pu l'être quand j'avais 7 ou 8 ans. Donc voilà, tout ça pour dire, ne laissez pas vos enfants regarder Un justicier dans la ville avec Charles Bronson, ni Last of Us, sinon pas l'âge requis. Oh, des petits toutous. Désolé, mais tous les chiens sont déjà réservés. Je les ai vendus en moins d'une heure. On revient dans une semaine. Ah, c'est pour manger? C'est pour manger tout de suite. Je vais prendre le petit là. Ah, merde. Eh ben voilà, je vous parlais des restrictions, hein. Voilà. Bientôt chez Auchan, des chiots. On y arrive. Toi, t'es le gars sympathique avec une barre de fer sur l'épaule, c'est un peu flippant. Ok, l'accueil du vigile est assez sympathique. Il a une batte de baseball. Les petits amoureux là. C'est qui ça? Et je trouve qu'ils ont un peu des têtes, je suis pas sûr qu'ils aient remodélisé les têtes. Elles me paraissent un peu primitives. Bon après c'est que des figurants, je comprends qu'ils soient pas donnés autant de mal pour chacun qu'avec les personnages principaux, mais voilà, du coup... faut que... Ah, mais il y a la bagarre, il y a la bagarre. Pourquoi il y a bagarre? Où est-ce que tu crois aller? Voilà, par contre regardez le visage de Joël, il est vraiment bien, et quand on va voir Ellie, on va arriver à Ellie là, vous allez voir qu'elle a vraiment... Elle a mûri, enfin, c'est pas forcément qu'elle a mûri, mais elle a vraiment un visage plus réaliste. Reviens, Néon, j'ai les mêmes à la maison. Votre ticket, monsieur. Là, ça a changé les contrôles SNCF. J'aime bien, moi, explorer. Parce qu'ils se sont donné du mal à faire des tas de trucs. Derrière, le frère de Nathan Drake, lui. Un petit peu. Et il joue aux cartes tout seul, c'est triste. Et puis colle tout seul, c'est encore plus triste. Bon. Allons voir ailleurs. Des trucs moins tristes. Bon, bah là, je peux rien acheter. De toute façon, l'idée, ça va être de bricoler moi-même avec ce que je vais pouvoir trouver. De bricoler des armes, des pièges, des munitions, des grenades, des trucs comme ça. Il y a des trucs sympas à voir. Tout un tas de conneries dans cette usine. Wow, attends un peu. Ouais. Bonjour, ça va? moi c'est Marcus, je suis testeur de jeux vidéo. Et vous? Je suis muette. Ok, bon bah, d'accord. Bon, au moins me regarde, c'est déjà ça. Ah, un avis de recherche! Qui recherche-t-on? Est-ce que je peux me mettre bien en face? Ah! C'est tout, j'ai pas le droit de voir, j'ai pas le droit de voir. Ils ont oublié? Allez, ah! S'il faut être au millimètre près, j'ai pas mes lunettes en fait, c'est ça. Ah voilà, ça y est. Marlène, et voilà les lucioles. Drôle de tête, Marlène. Je sais pas si son profil est pire que sa face ou si c'est l'inverse, c'est difficile à dire. Mais enfin, il y a quelque chose qui va pas dans les deux. Bon, je garde la fiche de recherche. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec ta petite girafe, avec Sophie et girafe. C'est mignon, c'est mignon. Marlène Chiappe.
On va nominer Fessaga pour Marlène Schiappa. C'est lamentable, mais c'est drôle. Voilà. Bon, allez, un peu d'action. Parce que là, je visite. Je fais le tourisme. En même temps, voilà. Quand on voit tout le mal qu'ils sont donnés pour arriver à des trucs comme ça réalistes. Regardez cette petite lumière. Incroyable. Bah voilà, ça vaut le coup. Même les détails, les pneus sur les tôles pour pas qu'elles s'envolent. Enfin, franchement, c'est... C'est du bel ouvrage, j'ai envie de dire. Je cherche Robert. Ah, regardez, voilà, on voit bien les visages. Je cherche Robert, évidemment. Ça sonne pas très bien, mais... Il est retourné au quai. Il y a encore. On dirait Gad Elmaleh. Il va nous faire le sketch du blond. Hé, hey, Gad, fais-nous le sketch du saumon, j'adore le sketch du saumon qui est pris par, par le, l'hameçon, là. Non, ok, bon, personne veut me parler, vraiment... À part Tess, heureusement que j'ai Tess avec moi, sinon... Bon, elle est pas très causante non plus. C'est parti. Ah, v'là des gars pas très sympa. Faut qu'on passe. Vous feriez mieux de faire demi-tour et de rentrer chez vous si vous tenez à la vie. On vous fera pas de mal. On veut juste Robert. Ne faites pas ça. Ouais, je trouve qu'ils ont un regard beaucoup plus expressif. C'est là où on voit les personnages de vidéo en général, c'est dans le regard quoi. Sans Robert. Hey, je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez pas d'ici immédiatement. Après, techniquement, vous avez vu comme moi les démos de l'Unreal Engine. Oh, oh Tess, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? T'es prêt? Ouais. Je vais vous faire la je te couvre. Élimine-les. Buvez, élimine-les. Voir des mecs les embrocher. Je vais faire le tour par là. Oh merde, bah, tu parles, il m'a vu. Il m'a vu. Ah bah j'y vais avec les poings. Ah c'est pas du tout. C'était pas du tout ce que j'avais prévu. Hein. J'avais prévu de l'infiltration, mais je me suis un peu précipité. Voilà. Passe au suivant. Ah, on dirait du MMA. pas les assurances, hein, le truc de... Ah! Dis donc, Heisenberg, là. Y a aucun problème. Ah, on dirait vraiment... Oh, voilà, I'm the one who knock with my feet. Je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule. Toi aussi. Comment il a fait pour tous les rameuter? Robert est doué pour une seule chose, rédiger des chèques en blanc. Allons y mettre. Ah, bon, bah voilà. Il est peut-être pas mort, on va se dire que je l'ai juste assommé. Believe in the Firefly. C'est toute la secte, cette histoire. Distribution de points. De pain, c'est parti. La patate de fort, hein, exactement, Disquiquette. Hey, aide-moi à monter. Eh bien, d'accord, viens là. Voilà, vas-y. Merci, Monsieur Dubois. J'adore. J'aime bien ce pseudo tout en simplicité. Monsieur Dubois. Ça se trouve, il s'appelle vraiment Dubois. Et pseudo, Monsieur Dubois. On va le nominer, ce très beau pseudo, mon petit dindin, s'il te plaît. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent en cours de route chez nous, on récompense l'humour, hein. On aime la rigolade. En ce moment, la vie, ça rigole pas. Alors, s'il y a de la rigolade, moi, je récompense. Je récompense avec un cahier, si vous avez le meilleur pseudo, cahier Game One. Vous pourrez faire la rentrée avec, écrire ce que vous voulez dedans. Et si vous me faites la meilleure blague de la soirée, si vous êtes nominé, voilà, c'est le jeu Fist en version Ultra Collector. Monty Morsad qui s'abonne, incroyable. Merci, Monty Morsad. Mais tu travailles pour moi, gratuitement, pourquoi tu me donnes de l'argent? Tu es bizarre. Voilà, et donc si vous êtes nominé, soit au meilleur pseudo, soit à la meilleure vanne, contactez tout de suite l'ami Dindin qui va prendre vos coordonnées. Comme ça, si jamais vous allez vous coucher avant la fin de la soirée, avant que j'ai élu les heureux élus, on peut quand même vous contacter, vous envoyer votre petit cadeau. Voilà. Bon, vous voyez, on essaie même pas de vous garder captif. Faites ce que vous voulez. Chez nous, c'est comme ça. Bon, voilà. Alors, vous avez vu, là, c'était des humains, ça rigolait moins déjà. Joël. Alors, je vais me glisser dans ce petit... Oh, là, du monde. Je vais me planquer tout de suite. Comment ça se fait que je suis un vampire? Au bout de 20 ans, ça va changer. J'ai pas vu qui a posé la question, mais bah... Il y a Photoshop. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça aide beaucoup. Après, moi, je manie très mal Photoshop. Vous voyez toujours mes vignettes de stream. C'est une catastrophe. Donc, évidemment...
Ah, la petite aussi, Tess, elle manie bien le... Elle manie bien le côté... filtration. Avance, avance, bah attends. Il n'entend rien, il faut pas que je marche dans les flaques d'eau peut-être. Il va se retourner, là il arrive face à un mur, forcément à un moment. Il se retourne. Voilà. Les maquillages de Game One sont super oui d'un accès. C'est vrai que c'est, ça aide aussi. Non, non, mais je vieillis, hein, je vous rassure, comme tout le monde. Ça se voit de plus en plus, souvent. Les gens, après, le problème, c'est qu'il y a tellement de rediffs sur Game One que les gens, des fois, ils voient un Level One ou un Retro Game One qui date de... Il y a 10 ans, des fois. Puis après, ils me voient en vrai, c'est... Oh, putain. Ça, la télé, ça améliore. Merci, Dark Mollusk. Putain, vous avez tous des pseudos de fou. On va nominer Dark Mollusk pour son très beau pseudo aussi. Elle est prête à bondir sur lui. Ils les ont alignés contre le mur. Et moi, je vais être prêt à bondir sur lui. Et comme ça, tout le monde sera content. J'espère juste qu'elle va vraiment... C'est comme ça partout en ville. Elle va vraiment le faire. Il leur tombe dessus sans ménagement. J'ai un cousin avec eux. Allez, allez, vas-y, toi. Ouais, c'est bien. Synchronisation. Synchronisation. C'est parfait. Très bien. Donc là, vous avez vu, je suis en train de tuer des gens. Tranquille, sans ménagement. On trouve y penser, en fait, comme on fait dans tous les jeux vidéo. Et bah, dans Last of Us 2, la première partie du jeu, vous allez faire un peu ça, avec Ellie. Et la deuxième partie du jeu, vous allez vous trouver face à... dans le camp adverse, en fait. Et vous allez voir que tous les gens que vous avez assommés, égorgés, tués, poussés dans le vide, flingués, avaient des vies, des amis... une petite copine, certaines étaient enceintes, etc. Et voilà. Et tout à coup, vous allez vous en vouloir d'avoir fait tout ça, quoi. Donc, ça vous fait réévaluer déjà toute la première moitié de l'aventure que vous avez faite. C'est très très fort. Aucun jeu vidéo ne fait ça, en fait. Et surtout, au-delà de ça, ça vous fait réévaluer tous les autres jeux où on tue des gens, finalement. Et notamment, Last of Us Part 1, où on faisait ça un peu à la légère. Et là j'ai retrouvé... bon, là, on est ensemble et on déconne un peu, mais j'avoue que j'ai... Comment ? Il y a vraiment des moments où je me disais, ah, si je peux éviter de les tuer, je vais éviter de les tuer, quoi. Je suis devenu plus généreux. Quelqu'un qui a dit, est-ce que Michel Drucker t'a connu jeune? Quasiment. Michel Drucker était déjà là quand j'étais petit, en fait. Alors, je vais lui jeter un truc et je vais courir très vite. Allez, viens, rentre à la maison. Tu vas être un peu froid. Voilà, si je traîne trop, malheureusement, il va se débattre et ça va mal finir. Donc je suis un peu obligé de faire ça. Voilà, bon, après, j'ai pas vraiment le choix. Hein, si je veux avancer, c'est comme ça qu'on fait. C'est bientôt l'anniversaire de Marcus. Oh, pas tout de suite, mon JR. C'est au mois d'octobre, on a encore largement le temps. J'ai encore le temps de vieillir. Je suis le compteur à 55, je suis pas pressé de passer à 56, je t'avouerais. Si je pourrais rester bloqué à 55, c'est déjà beaucoup, beaucoup trop. Mais ouais, des fois, je vois ça sur les... Pas souvent, mais je vois des gens qui font des commentaires sur Internet. Oh, Marcus, t'as pris un coup de vieux. J'ai quand même 55 ans, mec. À un moment, faut vieillir, quand même. J'ai fait des efforts jusque-là, mais bon. Normalement, ça se relâche, hein. Y a la peau qui tombe. Hop, j'ai une petite bouteille, tiens, pour la route. C'est pas pour boire, malheureusement. C'est pour assommer des gens. Ou je tends l'oreille pour voir s'il n'y a pas quelqu'un. Ou pour faire diversion. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces dossiers? Tu m'as fait peur, elle m'a fait peur, Tess. Je que c'était... Salut, El French Solardi. C'est cool d'avoir plein de petits nouveaux ce soir. Je suis content de vous voir, les amis. Bienvenue. Allez voir, ça rigole bien. Même avec des jeux horribles... Même avec des jeux horribles et terrifiants. Tess, est-ce que... Bon, je vais m'en occuper. Ah, mais il y en a d'autres là-haut, il y en a d'autres là-haut. Il y a deux autres là-haut. Je suis pas sûr de pouvoir le choper sans que les autres le voient. On va le tenter. Viens derrière ce buisson. J'écoute rien. Voilà, toi tu vas te taire. Voilà, c'est assez horrible en plus ta façon. Bon, là c'était un hipster, ça va. Le crâne chaud, la petite barbiche. J'ai pas de remords.
Alors, il y en a un en haut et un ici. Je tends l'oreille. Est-ce qu'on va pouvoir monter sans trop se faire voir? C'est pas gagné. Ah, lui, il est rentré dans un petit bureau. Donc, avec un peu de chance, il ne verra pas que je suis là. L'autre, je dois l'entendre ses pas. Il doit être au-dessus de ma tête. Voilà, le voilà, là. Oh, oh, oh. Voilà l'autre qui arrive. Par l'escalier. Est-ce qu'il va descendre? Non, c'est bon, il est reparti. Et lui, je sais pas trop. Mais je vais y aller quand même. Je vais y aller parce que j'ai pas peur. Je recharge avant. Je suis à peu près sûr de tomber nez à nez. Avec lui. Ah, le bruit de mes pas sur le métal, c'est pas très bon pour moi, mais. Mais ça se tente quand même. Voilà. L'autre n'arrive pas. Oh là là, Tess, tu vas se faire voir là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien? Mais c'est pas moi? Oh merde. Ah bon, ok. Ah merde, il y en a un autre là-bas. Oh, j'ai pas vu celui-là. Allez, je vais y aller. Oh, coup de bourbier. Oh, le coup de boule était vilain. Oh, il était vilain, il a pris cher. À 40 ans, c'est plus moi qui regarde la télé que. C'est plus moi qui regarde la télé, c'est la télé qui me regarde. C'est... On dirait une brève de compteur, Obélix. Elle est très chouette. Ah, sur un. Très bien. Très bien. Bah, ça va servir pour les claqueurs. Donc, c'est super. Voilà, et en plus, je vais apprendre à les cuisiner moi-même. Allons-y. Ils sont donc dangereux, les clients à Brico Dépôt. C'est vrai que c'est un peu vénère. Je vais continuer. Je vais continuer ma petite. Ah, bah voilà. Un medikit. Est-ce que j'ai été un peu blessé, peut-être? Un peu. Voilà, je suis blessé. Je suis vexé qu'il m'ait. Oh, ça a l'air d'aller, mais. Quand même, voilà. Je pourrais plus tenir, mais c'est plus prudent de se mettre un petit medikit. De côté. Bah, tu descends? Pourquoi faire? Je pense que c'est plutôt par là, Tess. Viens, cocotte. Oh, on est 400, les amis, un chiffre rond. Ne bougez plus. Faut pas faire 401 dalmatiens. Ah, 417! Mais vous venez! Ah, une avalanche de gens! Bienvenue, les gens! Vous venez peut-être de chez quelqu'un. Est-ce qu'on a eu un raid ou j'ai pas vu? Bon, bienvenue. Ouais, j'aurais voulu rester à 400. Partez pas, hein. Vous êtes bienvenus, mais. J'aime bien les chiffres ronds. J'aime bien quand il est 11h11, par exemple. Je me suis rendu compte qu'en anglais, 11h11, ça faisait 11, 11. L, l'enfer, et heaven, le paradis. Incroyable! Ça m'est venu comme ça. Oh, j'aurais dû être poète aux États-Unis. J'ai raté mon truc. Salut, Souden. Souden qui surgit soudainement. Et Isis Maël. Ah mince, il repart. Non, non, reste, reste Isis, au contraire. Eh ben, on va aller à Saint. Voilà, venez, rameuter des potes. On va faire 500, ça fera un compte rond aussi. Ah, astuce. Pourquoi astuce? Ah oui, ça m'indique un peu l'endroit où je suis censé aller. Ok. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Ça évite de. J'avais oublié qu'il y avait ça. Ça évite de galérer quand on est un peu paumé. C'est pas plus mal. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on est assez peu aidé. Faut vraiment faire son petit chemin. Tout seul. Ah, donc elle avait raison en fait. C'était pas en haut, fallait venir là. Ok. Mais il faut ouvrir. Faut tirer sur la chevillette pour que la bobinette chère. Non, ça marche pas. 11-11 en numérologie signifie changer de vie. C'est vrai, lui, l'embrouille. Oh. Je ne connaissais pas la numérologie. Voilà notre homme. Ah. Eh ben, c'est pas Zlatan. Ah, je vais pouvoir frapper un footballeur. Ah, la bonne heure. Je suis tellement content de ne pas connaître les footballeurs, en fait. Alors, réfléchissons. Combat ou furtivité? Ah bah moi, c'est toujours pareil. Furtivité, jusqu'au moment où ça tourne mal, voilà. C'est très simple. C'est très très simple, ma méthode. Voilà, je sors ma petite bouteille. Je pense que je peux m'approcher d'eux. Je tends l'oreille pour voir si... Il y en a un là-bas au loin, je crois.
Un monstre sur un caddie ? Oups. Bon bah très bien, toi t'es un peu isolé. Voilà un mineur isolé. On va s'en occuper. Je fais pas le surin parce que je veux garder mon surin pour les... Pour les claqueurs. Ah il est loin ce container. Va quand même le planquer derrière. Voilà. Tess, tu veux lui dire quelque chose? Voilà, bah, il avait rien à dire de toute façon. C'est le Pékin Express qui tourne mal. J'ai jamais vu Pékin Express. Est-ce que la Chine ressemble à ça? Non. À ma droite, à ma droite. Ah, vite, cachons-nous. Il est où? Ne faites pas de bruit avec les subs. Enfin, genre... Ah oui, pour les nouveaux. Je suis le seul gars qui engage, qui engueule les gens qui... quand ils s'abonnent. Parce que ça me déconcentre dans le jeu. Vous ne trouverez pas d'autres streamers qui font ça, je pense pas. C'est vrai que ça me déconcentre. Ça me fait plaisir, hein, je... vraiment merci. Vraiment, mais... c'est pas le moment. Je vais me faire tuer à cause de toi. Ce sera ta faute. Le pire que vous m'aviez fait, je crois que c'était drôle. Ça doit être Kena Bridge of Spirit, où il y a vraiment un moment super touchy. Je me suis repris à plusieurs fois pour y arriver. Et au moment où j'allais y arriver, bam, tout le monde s'abonne en masse. Il y a eu genre 20 abonnements d'affilée. Ça bipait, ça s'affichait au milieu de l'écran. Je voyais plus rien. Et en plus, j'étais mort de rire. Donc c'était vraiment l'enfer. Mais on a bien rigolé. Alors, lui, un peu tout seul, mais... chaud pour y aller, quand même. Vas-y, le petit container. Ah, pas mal. Faudrait pas qu'il y en ait d'autres dans la ligne de vue des autres. Ah, oh merde, ils sont deux. Oh, j'avais pas vu du tout, lui. Je l'avais pas vu du tout. Je peux peut-être enchaîner. Il regardait par là. Voilà. Bon, j'ai pas le temps de faire le ménage. Je vais le laisser. Ah, il y a une petite barre de fer. Ça peut être utile. Le gars s'approche. Est-ce qu'il a des mauvaises intentions avec sa planche à la main? Oh, sans doute. Bon, je vais aller. Après tout, quand il sera par terre, les autres le verront pas. Je suis pas obligé d'aller me cacher derrière un truc. Ouf. Alors lui, il a le nez en l'air, là. La truffe en l'air. Ça craint. Ça craint quoi? Mais il fait juste la sieste. Ne t'inquiète pas. Voilà. Je vais me dire que je les assomme ou je me contente de leur faire perdre connaissance, simplement. Ça, c'est pour ma conscience, comprenez? Voilà. Alors, il en reste un. Mais du coup, je ne sais plus où. Je vais recharger mon flingue. Parce que je sens que ça peut mal tourner à tout moment. Où est-ce qu'il est, l'autre? Il en restait un tout à l'heure. Tendons l'oreille. Là-bas. Là-bas, il y a quelqu'un. Ils font pas trop de bruit, mais c'est bien pratique. Il reste juste un... c'est juste un bridouille. Ah, il est là, il est là. Et il y en a un autre dans le bateau, je pense. J'ai l'impression qu'il y avait une petite tombe dans le bateau. Je vais tenter de... Je vais le prendre à revers par le container. Hop, 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 hop. Bon, j'ai fait un peu de bruit, c'est vrai. Je reconnais. Voilà. Oh, c'est Fred. C'est Fred Zolf. Paradra des noobs. Mon Fred, qu'est-ce que tu fais là? Oh, je peux pas tuer Fred quand même. Je l'adore. Fred, excuse-moi. Tu as l'heure? Tu as un petit jeu rétro? Tu veux pas faire un Mario Kart? Oh non, c'est trop... Il lui ressemble vraiment, c'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est même le même style vestimentaire. Fred n'a pas de flingue, lui, c'est tout. Il a une manette NES dans la main. Bon, Fred, je te présente mes excuses à l'avance, mais je suis obligé de faire ça. Je vais essayer de le faire en douceur, d'accord? Voilà. Fais dodo. Voilà, rêve de la NES. Voilà.
prochaine fois qu'on va se croiser sur un salon et j'espère qu'il m'en voudra pas. Bah, je vous ai vu, j'étais obligé. Hein. Je vais avancer. Ouh ! Rien d'autre. Tendons l'oreille. Ouf ! C'est moi qui fais ce bruit ? Ah, là, je vais arriver dessus. Je me décale. Oh, vache. Ce que je vais faire, je vais jeter une bouteille pour la tirer par là. Voilà, viens là. Merci Syntax Error, c'est gentil. Les bureaux là. Robert a dû s'y réfugier. On y va. Alors il a dit c'était quoi, puis c'est tout. Ah non, il va voir, très bien. Putain, une bouteille de coca gâchée. Oh, mais vraiment cache-cache là. Voilà, ouf. Vous avez vu ma stratégie, c'est magnifique. C'est Joël Fisch. Bravo Sam Master. C'est Splinter Cell, c'est ça. C'est Sam Fisher mélangé à Joël de Last of Us. Incroyable. Peut-être quand même rester un peu planqué parce que... Ah, la visite médicale. Slip chaussette. Ah non, c'est pas du tout. Je croyais que c'était un truc de médecin. Allez hop. Bienvenue Zakoma. Oh, mais quel accueil. Juste parler, Robert. Robert, rends-toi. Il est un poseur de pierre boulet, Robert. Oh, c'est pas comme ça qu'on utilise un flingue. Robert. Alors, dis donc, René, tu veux que je t'étale avec mon trou du cul. Robert, c'est pas vraiment le prénom le plus glamour. Mon grand-père s'appelle Robert, du coup. Moi, ça me sort un peu du... Ça me sort un peu de truc, mais... Ah oui, les Robert. Et bien. Joël, bon, c'est une très excellente brève de comptoir. C'est un mec qui dit... Est-ce que tu te rends compte que Robert a le même prénom que Robert De Niro? Si. Robert. Robert De Niro. Robert. Robert De Niro. Mec, une illumination, quoi. Incroyable. Mais bien, leur Robert à eux est moins glamour que Robert de Niro, quoi. Ça me fiche la trouille. Oh, très bien, Fondu Cassomaron. On va nominer Fondu Cassomaron pour Ça me fiche la trouille. C'est vrai que c'est flippant. Ah là, il fait Pierre Boulet, là. Il imite Pierre Boulet. Le petit catogan, la petite trace. Oh, je ferai pas ça à Pierre non plus. Oh là là. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de maltraiter des amis, c'est moche. Elle est bien cette vanne, hein, Sacha, mais c'est pas de moi, c'est les brèves de comptoir. Je vous recommande d'ailleurs, c'est juste génial, les brèves de comptoir. Peut-être un soir, je prendrai brèves de comptoir. Un soir, on fera un stream spécial avec ce genre de truc. C'est vraiment excellent. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez, qui a nos armes? Ah, il va le dire? Je peux pas. Donc. Donnez-moi juste quelques jours. Oh, oh. Robert. Il y a nos armes. Casser le bras, on serait cru dans les bronzés fonds du ski quand il remet le bras. Salut Olive, quel mystère. Salut à ceux qui nous rejoignent. Voilà, ça y est, on est à nouveau 400. 3, ça stagne. Ça repart. 397, 400. Ça bouge tout le temps. Les armes. Écoutez, venez comme vous êtes, restez si vous voulez. Allez. Vous serez toujours les bienvenus ici, en tout cas, c'est clair. On va les chercher. C'est vraiment une idée de merde. Oh, Tess, vraiment, c'est pas une rigolote. Et maintenant... Quand je vous disais que c'était un jeu très adulte, c'est vrai, hein. Pas de pitié, quoi. On peut leur expliquer. Ouais, je trouve qu'elle a des expressions de visage vraiment... Vraiment, on sent la... je sais pas, on sent les émotions et tout. C'est vraiment, c'est Tesla. C'est ça. Pourquoi vous êtes là? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Ah oui, ça c'est pas bon. Oui, Robert. Ce prénom, c'est pas possible. Faut vraiment que ce soit bien Last of Us, parce que sinon... Vous connaissez chez moi, hein, le syndrome Horizon Zero Dawn, quoi, voilà, les gars ont des têtes de punk à chien, ça me sort du jeu, quoi, voilà. The Witcher, ils s'appellent Piotr, ils ont des noms polonais, ukrainiens, ça me bloque,
Je ne rêve plus, je suis dans le monde réel, du coup, ça me casse l'ambiance. Donc Robert, ça pourrait totalement me casser l'ambiance, mais le jeu est tellement bien par ailleurs, j'arrive à surmonter la Robertitude de ce prénom. Ah, mais Léon, c'était pas toi qui étais en photo sur le... sur la vie de recherche ? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. Elle est plus jolie en vrai que sur son avis de recherche. En même temps, dans ces moments-là, on fait pas les coquets, quoi. On est dans le commissariat avec un petit panneau avec son nom, son matricule. Pas le moment de faire le coquet. Suivez-moi. On doit partir d'ici, maintenant. Eh ben vas-y, je te suis. Si vous êtes partant, il faut qu'on bouge. Matt Flack qui dit... Et encore, ils ont pas dit que son famille, c'était Robert Robich. On va nominer Matt Flack, mon dindin, pour ce scoop. Parce qu'on on savait... Oh, regardez, je suis parti en moonwalk. Bon, c'est pas le moment. En même temps, je devrais chanter Thriller plutôt que... Ce serait plus approprié. Du coup, je fais le con et... non, c'était par là, non? J'ai pas regardé par où il était parti. Ouais, ça doit être par là. Je sais pas trop. Bon, bah, allons voir. Là, ça donne envie. J'ai envie d'aller par là. Là, il y a une échelle. Toujours bien, les échelles. Voilà. Il manque juste des enfants à sauver pour la ressemblance, Marcus. Oui, c'est ce que je vous en parlais la semaine dernière, je crois. C'est ici que j'en parlais, je sais plus. Dans le jeu Moonwalker avec Michael Jackson sur Mega Drive, il sauve des enfants. Donc, quand les enfants le voient arriver, ils font « Help, help !» Et en fait, avec le recul, on se dit « Il appelle peut-être pas lui au secours. peut-être au secours parce qu'il le voyait lui, en fait. » Désolé si je radote, hein, si je vous ai déjà raconté ça la semaine dernière. Mais du coup, ça me revient à ce moment-là. Et puis il y en a qui n'étaient pas là la semaine dernière. J'ai le droit de faire deux fois les mêmes vannes. Rentabiliser les vannes. C'est même pas une vanne en fait. C'est en rejouant l'autre jour. J'ai ressorti Moonwalker sur ma bande d'arcade et j'ai vu ça et ça m'a. Tiens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, on peut rentrer par là. Oh, c'est. Ah, bah après vous, voilà. Oui, Zenkai s'en souvient. C'était la semaine dernière, si vous avez... Ah, Placero qui m'a fait un petit clip. Oh, c'est vrai, j'ai complètement oublié les clips ces derniers temps. Désolé pour tous ceux, notamment Kira, qui me font toujours des clips incroyables. C'est vrai que depuis la rentrée, j'ai pas pensé à regarder. Faut vraiment que je me ressaisisse. Et après, il y a tellement de trucs à faire avec les... Ouh, Twitch, Game One, les réseaux sociaux et tout, j'ai du mal à... J'ai du mal à suivre. Peut-être aller sur TikTok, au fait, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Je déteste TikTok, pour moi, c'est vraiment le pire réseau social. Vraiment, à moins d'être pédophile, ça n'a aucun intérêt de voir des gamines de 13 ans qui se trémoussent le nombril avec leur piercing. Et vraiment, c'est l'image que j'ai de ce réseau, où ça m'a l'air de flatter les plus bas instincts. Et voilà. Et c'est Kayane qui m'a convaincu. Elle m'en a parlé. Elle m'a dit en fait, justement, tant qu'il n'y aura pas des gens comme nous qui font autre chose comme genre de contenu, bah ça restera ça, quoi. Et Caillou, elle fait des trucs très sympas. Des petites vidéos. Elle a tourné des petites vidéos chez nous là, à Game One. C'est pour ça que j'ai vu ce qu'elle faisait. Julien aussi s'y est mis. Et voilà, ils font des trucs un peu. Ils ne montrent pas leur piercing au nombril, pour peu qu'ils en aient un. On n'est pas tout de la vie de Julien, mais je crois qu'il en ait un. Et du coup, c'est vrai que ça donne envie. Et puis ça monte assez vite. Il y a pas mal de gens qui suivent assez vite. Donc ça peut être un moyen sympa de faire des petites vidéos. Ça change des textes et des photos. Donc j'avoue, je suis assez tenté. Alors que vraiment, je m'étais dit, j'irai jamais sur cette merde. Mais j'avais dit la même chose de Facebook. Donc voilà, au début, les réseaux sociaux, ça me paraissait pas intéressant. Puis quand j'ai compris que je pouvais communiquer avec vous, je me suis dit, ah, mais si, en fait, c'est vachement bien. alors attendez, parce que là, je vais me mettre un peu en mode... Oui, voilà, il y a des gens là, quand même. Hein, on va... Donc voilà, TikTok ou pas TikTok? Dites-moi ce que vous en pensez. Je verrai mon fils que... il a grandi... Ah, le fiston qui a grandi! Ah, bah super! Super! Eh bah viens, oui, on va... Dindin va vous mettre la liste des salons, tiens. Mon Dindin, si tu peux faire ça. Vous verrez, je suis forcément près de chez vous à un moment ou à un autre. Ah, bien joué, la synchronisation!
Monsieur Lewis, Monsieur Randall, synchronisation des montres. Je suis le Parker Lewis 2. The Last of Us. C'est Last of Lewis. Je vais faire comme Kubiak. Hop. Kubiak, d'ailleurs, très sympa. J'ai oublié le nom de l'acteur qui joue Kubiak dans Parker Lewis. On s'est croisé sur des salons. C'était très sympa. On a fait du Just Dance avec Dina, avec lui. C'était génial. Et je l'avais croisé à l'E3 à Los Angeles il y a très longtemps, il y a peut-être 15 ans. Il était en touriste à l'E3 en fait, je croise dans les allées et j'ai pu lui parler un petit peu, c'était très sympa. Je dis bonjour, vous savez, en France on adore Parker Lewis, j'ai toujours adoré cette série, et ça m'a toujours fait rire et votre personnage était incroyable. Il y a une fois où il regarde sous ses pieds et il a un truc qui le gêne sous sa semelle. En fait, il a marché sur un écureuil. Sous la semelle, il y a un écureuil entier avec la queue complètement aplatie comme dans les dessins animés. J'ai trouvé ça, c'était génial ce gag. Et je lui ai raconté ça et ça l'avait bien fait rire. Il avait vraiment été très très sympa. Alors, franchement, rien à foutre, mais vraiment très très gentil quoi. Et puis ça s'est confirmé après quand je l'ai retrouvé. Je crois que c'était sur le salon à Tours. Où vraiment on a passé un très bon moment quoi. Et comment il s'appelle? Oui, vous allez me dire. Son nom est Corinne Nemec aussi, oui, avec Parker Lewis qui joue dans Noob, c'est vrai. Je me dépêche parce que j'ai peur qu'il me voit au bout d'un moment. Voilà. Abraham Ben Ruby, merci Mixelda, voilà, l'encyclopédie Mixelda. Très très sympa. Si Abraham aussi, très sympa, Abraham de Walking Dead, alors lui aussi j'ai oublié son nom. Qui était venu à Nîmes, je crois. Non, à Mangazur. Mangazur. C'était où Mangazur? Ça va me revenir. C'est bête, mais ça va me revenir. Et il était là à la fin du cliffhanger de la saison où Negan file un coup de batte à quelqu'un. Oh putain! Et on sait pas qui c'est. Et on sait pas qui se prend le coup de batte. Et potentiellement, moi, je me disais, ça pourrait être lui, quoi. Et donc j'avais fait ma petite photo avec lui, puis je. Putain! Bah, dis pas des gros mots! Et j'avais dit, vous allez avoir beaucoup de travail l'année prochaine. Il m'avait jeté un regard noir. Et sur la photo, moi je suis là en train de sourire et lui il est comme ça. On a l'impression qu'il va m'assommer lui-même à coup de batte de baseball. Bah, c'était pour rire, hein, il le faisait exprès évidemment, c'était très drôle. Et du coup j'ai deux photos, une où il sourit et une où il me regarde avec un air méchant. C'était très sympa. Ah, petite porte, je vais aller voir là-bas. Eh oui, c'est vrai, il y a une vidéo où on danse tous les deux avec Dina. Alors que, oui, Abraham Simpson, lui, ne vient jamais, il dort tout le temps. Tout à fait, oui. Quoi qu'il y a un mec que j'ai croisé plusieurs fois sur des salons, j'ai oublié son nom, qui a un cosplay d'Abraham Simpson qui est juste génial. J'ai réussi à faire ma photo avec lui et Philippe Pétieux et Véronique Augereau, les voix françaises de Marge et Homer. Qui fait un petit coucou au passage si jamais il nous voit. Et on a fait cette photo avec ce gars qui a un costume absolument parfait d'Abraham Simpson. C'était génial. Avec Philippe qui me disait hey, on va prendre une photo. C'était juste parfait quoi. Ah, un couvre-feu ici aussi. Ok. Traduit dans quelle langue? Humour. Ouais, désolé, l'ambiance, j'essaie de mettre l'ambiance parce que là, c'est tellement tragique ce jeu. C'est quoi la marchandise? Je vous montrerai. Ah, on doit amener de la marchandise, très bien. Les vulgaires livreurs du monde pourri. Je le tiens bien, Abraham. Ouais, je l'ai pas mal, merci, Intrépitre, c'est vrai. Ah bah, j'adore, les Simpsons, c'est vraiment mon truc préféré. Ma réplique préférée d'Abraham Simpson, c'est... Attendez, je fais une petite pause parce qu'on va découvrir Ellie dans une seconde. J'aimerais être en full cam pour vous le faire. C'est les Simpsons qui vont visiter un endroit où on fabrique du cidre et repartent avec du cidre, évidemment. Marge a un gâteau en forme de... un chapeau en forme de pomme. Ils ont acheté de la tarte aux pommes, etc. Ils rentrent en voiture, il y a les enfants à l'arrière et le vieux. Et donc ils montent tout ça à l'arrière de trucs, ils ont leur gâteau aux pommes, voilà, imagine une tarte tatin, vous voyez un peu la texture. Et le vieux monte à l'arrière,
Et il fait et Marge, il fait grand-père, vous n'êtes pas assis sur le gâteau? Et grand-père répond, j'espère que c'est le gâteau. Franchement, c'est une des meilleures. C'est une des meilleures répliques des Simpsons. C'est juste fabuleux, quoi. Dès qu'il s'est chié dessus et que ça a la consistance d'une tarte tatin, c'est fabuleux. C'est poétique. C'est juste génial, quoi. Vraiment. Bon, les amis, après ce petit moment de paysage, nous allons rentrer dans cette salle et on va découvrir Ellie. Donc vous allez pouvoir voir la nouvelle modélisation. C'est parti, mon kiki. Parti, mon Ellie. Ma Ellie. Lâche-la. Dis donc, tu les recrutes pas un peu jeune? C'est pas une luciole. Oh, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Et ce sera sans moi. Eh oui, elle était mordue, donc... Dans cet univers, quand on est mordu, on a 24 heures avant d'être transformé en zombie. De Luciole vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous c'est Ellie Casco. Retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où? À notre camp. On fera rien sans... On nous balade, une fois de plus. Merci pour les follow, les amis, c'est gentil. 100 ans, petit cœur. Il y a un en trop dans ce pseudo, non? Une espèce de filtre granuleux qui rappelle Walking Dead. Ouais, tout à fait, Matt. Ils ont... Et regardez, le visage d'Ellie, vraiment, je trouve que elle fait un peu plus mûre, elle fait moins enfant que dans le premier. Mais c'est très bien. Franchement, c'est bien, bien foutu. Mr. Black voudrait que le son soit plus fort. Ça peut s'arranger. Bienvenue, Smaril. Je vais monter le son, il y a peut-être que chez toi que c'est un peu, comment? Que c'est un peu faible, mais depuis tout à l'heure. Normalement, ça aurait dû le dire avant. Après, voilà, moi je suis à votre service. Ah, tout est à 100%? Ah, et tout est à 100%, je peux pas faire mieux. Est-ce que je peux faire genre le volume général? Portée dynamique? Maximum? Je sais pas trop ce que ça va faire. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Bon, essayons après tout. C'est pire là, non? On est d'accord que c'est moins bien? J'enlève ces options. Je sais pas ce que c'est censé faire. Portée dynamique maximum. Auto faible. On va laisser ôter. Ouais, j'ai pas le temps de lire à quoi ça correspond, mais voilà. Écoute, monte le son de ta télé. Si tu veux, moi je peux essayer de parler moins fort. Allez. Mieux là. Voilà. Merci quand même du Mr. Black. Mais à ton service. Mr. Black, très beau. Pseudo aussi. Et après, du coup, tu es obligé d'être à la hauteur et faire des blagues toute la soirée. Allez, Ellie. Ah bah, content de t'avoir retrouvé. Voilà. Ça, c'est bien. Oh, c'est, les reflets dans le sang. Non, mais vraiment, les détails, regardez. Dans la flaque. Les lucioles. On voit vraiment les reflets, quoi. Il va nous arriver la même chose. Ah, est-ce que si je marche dans le sang, ça fait des traces? C'est toi l'expert. Ah non. Ah voilà. Pas encore next gen. Oui, je crois que j'ai pas fini mon raisonnement tout à l'heure. Je disais, vous avez vu les démonstrations avec l'Unreal Engine, qui est un moteur absolument incroyable, qui donne vraiment. Voilà, on se dit, ah, la next gen, ça va être ça, quoi. Ça va être des. Ils ont réussi à faire des humains qui ont vraiment l'air d'humains et pas de personnages de jeux vidéo. Voilà. Et je trouve que là. Ce remaster, c'est mieux, mais on voit encore tout de suite, au premier coup d'œil, que c'est des personnages de jeux vidéo. Or, maintenant, avec l'Unreal Engine, il y a moyen de faire des personnages qui ont l'air d'acteurs et pas de personnages de jeux vidéo. On peut pas distinguer de la réalité, comme au cinéma, finalement. Et donc, je me disais, tant qu'à faire un remake total, ils auraient pu le faire avec vraiment le moteur 3D le plus abouti qu'on puisse trouver, et que là, pour le coup, on est vraiment à faire des acteurs, visuellement. Je crois qu'elle parle de nous. Ne prenez aucun risque et signalez toute activité suspecte immédiatement. Bon, on est suspect, Ellie. Donc on va s'en aller. Est-ce qu'on peut passer par là?
Par ici. Il y a nos photos là maintenant. Alors, est-ce qu'ils sont les autres gens qu'on recherche? Il y en a qui ont vraiment des têtes. On sait pas si c'est ses cheveux ou son chapeau, lui. Si c'est une coupe de cheveux, elle est moche. Bon, là, ils ont pas de cheveux, c'est mieux, c'est plus facile. Ça, je crois que c'est Fred, hein, que j'ai tué tout à l'heure. C'est moche. C'est très moche. C'est pour ça que 80 boules, c'est pas donné. Oui, on est d'accord, Fessegger. C'est très très bien, mais ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu vraiment justifier 80 boules, c'est vrai. Là, ça se discute. On discutera, si vous voulez. Ah. Et donc, il pollue. J'ai passé des diesels, mais alors, regardez la fumée que ça dégage. Oh, carrément, ouais. Donc. Où est-ce qu'on va? Là-haut. On pourra atteindre le tunnel nord. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut? Ah bah, je ne sais pas. T'as une idée? Donne-moi une minute. Tiens, voilà. Je vais sortir les poubelles. Alors, ça, c'est quoi? La poubelle verte, c'est le jeudi chez moi. Poubelle verte. Tiens, d'ailleurs. Faut que je le fasse, vous m'y ferez penser. Voilà. Et clac. Est-ce qu'il faut que je l'aide, Ellie, ou est-ce que ça va? Non. Elle se débrouille très bien toute seule. Bravo. Bien cocotte. Avec son petit sac à dos. Oui. Est-ce que dans le 2, elle est adolescente? Est-ce que femme? Alors que là, c'est vraiment une enfant, quoi. Donc du coup, on va vraiment la protéger du mieux qu'on peut. Ah, je suis encore reparti en moonwalk, j'aime bien. Trafic dedans? Oui. Je vais tout faire en moonwalk. Des trucs illégaux? Parfois. Et une gamine, ça se fait? Non, c'est une première. J'espère qu'il n'y a rien derrière moi. J'en sais rien. Le dialogue à reculons. Je suppose qu'on est amis. Il se recoiffe en même temps. Alors comme ça, t'es ami avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans? Elle connaissait ma mère et elle a veillé sur moi. Et j'ai 14 ans, même si je vois pas trop le rapport. Et tes parents, ils sont où? C'est comme pour tout le monde. Ça fait un bail qu'ils sont plus là. Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça? Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici, si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Tant mieux. Bien. Voilà, c'est un peu les dialogues pour qu'on en profite, parce que je trouve que les doubleurs ont fait vraiment... Ah, regardez ça, franchement, là. Arrête pas de me contredire, mais c'est vrai qu'ils sont quand même vraiment très très près d'avoir des visages totalement humains. Et c'est pas à 100%, c'est ça le problème. C'est à 95%, je dirais. Et je suis censé faire. Merci, Urgolf, c'est gentil de nous rejoindre. Sûr que tu vas trouver un truc. Il y a encore du shampoing dans les magasins de dispo, parce que bonjour, ça doit être pas mal d'époux dans Last of Us. Ta montre est cassée. Ouais, c'est quand même... C'est top, mais... Quand on voit les démos de l'Unreal Engine, on se dit, ah, ça y est, la next-gen, ça devrait être ça, quand même. Et on n'y est encore pas, en fait. Ça va venir, je pense qu'en fin de... En fin de vie de cette next-gen-là, on y sera. Et on aurait aimé que ce soit au début, quoi. Mais là, j'ai vu quand même cet été, vous avez dû voir quelques démos, il y a pas mal de jeux qui vraiment mettait une claque visuelle assez incroyable, quoi. Donc on sent que ça arrive quand même. Je pense que ça va arriver là. Ça peut pas être pire. Enfin, Noël, on devrait être gâté normalement. Pas vrai. Salut Nancha. Il pleut pareil chez toi? Tu es en Bretagne peut-être? Hey, c'est facile. Désolé d'avoir été. Il y avait des soldats partout. Tu me moques que tu vas aller à Brest bientôt pour un salon. Ils vont me faire payer, ils vont me faire payer. Ils m'offriront pas de Queen Amman et je serai bien puni pour ma méchanceté, voilà. Ils auront bien raison. C'est pas plus mal pour ma ligne en même temps. Rendez-vous pour la PS6 alors si on arrive à en avoir. Oui Zenkai, c'est vrai que c'est pas gagné ça non plus. Pareil, le prix, ça fait un peu mal au cul, le fait que le prix augmente.
Bon, vraiment, tous les composants augmentent, c'est vraiment compliqué pour eux. Je pense que ils gagnent pas plus d'argent, ils font que combler le manque finalement. Mais et bon, nous on est habitués à avoir une console next-gen qui sort. On dit toujours, l'achetez pas dès le début, elle est trop chère et il n'y a pas vraiment de jeu qui donne vraiment envie, qui le mérite. Et au bout d'un an, les prix baissent. Le deuxième Noël en général, les prix baissent. Et les gros jeux vraiment intéressants sont arrivés. Et là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je conseille toujours ça aux gens, en fait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, déjà, pénurie, donc on ne pouvait pas en acheter. Donc, qu'on le veuille ou non, ça ne marchait pas. Le prix remonte, c'est la première fois que ça arrive. Et les gros jeux sont toujours pas trop là, quoi. Il y a le Harry Potter qui devrait être bluffant, mais pour le moment, ça tarde à venir. Alors, il y a Elden Ring qui donne quand même super envie, mais... Mais ça suffit pas. Alors, qu'est-ce qui se passe, les filles? Pourquoi cet ascenseur ne marche pas? Attendez, je regarde en haut, parce que moi, quand un ascenseur ne marche pas, c'est qu'il est au-dessus et qu'il va me tomber sur la gueule. Donc, je sais pas trop quoi faire. Faut peut-être que je rebranche. Oui, c'est ça, faut que je rebranche le générateur. Ah, encore, faut que je tire la bobinette. Ah oui, il y a un petit quick time event. Ah, ne sois pas grossier, Joël. Ah bah, allez, hop. Ah, voilà, hop. Hop, triangle quand ça arrive en bas, ça y est. Excusez-moi mesdames, je suis pas Groom non plus, je suis pas Spirou, et un 16, attends, les bras croisés. Bon, écoutez mon brave, appelez-nous l'ascenseur, je vous prie. Ça va? Pas trop fatigué? Moi qui fais tout le boulot là. Incroyable. Il nous attend au point de rendez-vous. Elle a dit que des lucioles avaient... Il y a du jus de Tess là. Voilà, on va nominer Max Clay, vous l'êtes fort. Il y a du jus de Tess là. Putain, vous êtes fort, vous en êtes vraiment fort, voilà. Typiquement, le genre de van absolument imprévisible qui est forcément improvisé. Chapeau Maxou, franchement. On connaît ton niveau, hein. C'est pas la première fois que tu gagnerais, mais voilà. Ah, j'aime ça, j'aime. Vraiment. Allez, nous revoilà dans une espèce de mine abandonnée. Ah, une échelle, j'adore les échelles. Hop. Oh, je suis attaqué par un moustique, dis donc. Je pense que dans le jeu, c'est des rats, et ici, c'est des vrais moustiques. Je sais pas si vous en avez aussi, mais alors, cette année, ils étaient pénibles. Entre le Z-Event et Marcus, le choix est vite fait. Vive le Roi Boulet. Ah, merci, c'est gentil. Non, non, mais il faut soutenir le Z-Event aussi. Moi, je vais y aller après. Hein. Ça a commencé, déjà? Je croyais que c'était ce week-end. Ah, mais c'est vrai que c'est plusieurs jours, donc ils ont... Ils ont dû commencer. Ouais, n'hésitez pas à les soutenir, bien sûr. Chaque année, ils cartonnent. C'est vraiment super ce qu'ils ont réussi à faire. Ça montre que les gamers ont un grand cœur et que on est là quand il y a besoin d'aider des gens. Regardez ça, la pluie et tout, c'est fou. Qui c'est qui me disait qu'il était en Bretagne tout à l'heure? Enfin, il l'a pas dit, mais on l'a compris à demi-mot. Ah, ce soir, c'est le concert d'ouverture. Ok. Ah bon, bah, on ira. On fera un petit raid chez eux après. Pour voir ça, pour suivre ça. Mais moi, quoi qu'il arrive, c'est jeudi soir. Je suis monomaniaque. Je stream pas beaucoup, mais pour que le rendez-vous soit bien là, c'est le jeudi soir. Je suis pas invité. Ils m'ont jamais invité. J'aimerais bien y aller, en fait. C'est Full Metal Caquette. Full Metal Caquette, très bon pseudo. Ah, pardon, j'avais pas vu. On nomine Full Metal Caquette pour... Mais de toute façon, dès qu'il y a pipi caca, ça me fait rire, vous avez toutes vos chances, donc voilà. Non, Z-Event, bah, je connais pas Zerator personnellement, donc ils m'ont jamais invité, moi je serais ravi d'y aller s'ils me demandent. Voilà, pas m'imposer. Enfin, j'ai l'impression que ça fait un peu... Les trucs de charité, c'est un peu comme les Restos du Cœur, c'est plus pour certains artistes qui ont besoin de travailler, quoi, j'ai l'impression. Donc, je voudrais pas avoir l'air du gars, hey, petit streamer, vous qui avez du succès, alors que nous, la télé, c'est fini, prenez-moi avec vous, je voudrais pas trop avoir l'air de ça, quoi. Après, moi, si je peux faire la coup de main pour une bonne cause, j'y serais, quoi. Mais voilà. Bon, peut-être ils m'inviteront l'année prochaine, on sait pas. Je ne veux pas m'imposer, en tout cas, voilà, c'est ça. C'est ça l'idée. C'est Ward qui fait un clip et qui en... Oui, tu peux envoyer. Bon, je suis con, en fait, je devrais juste les contacter et puis leur dire bon. Bah, si vous avez besoin, je suis là. Mais j'ose pas déranger, en fait. Je suis peut-être con, mais. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une... Après, il se débrouille très très bien sans moi. Il élève des millions. Et le scanner, alors... Moi, avec mes gros doigts et ma poisse. Ça se trouve, je vais leur flinguer le truc d'une manière ou d'une autre. Donc.
Je me fous de savoir comment t'as été infecté. Alors regardez, allez, ça papote. Bon, après, c'était pour une bonne cause et c'était intéressant, mais on se rend compte à ce moment-là que Ellie a été croquée et qu'elle ne s'est pas transformée, puisque c'était il y a 2-3 semaines que ça lui est arrivé. Et du coup, les Restos du Cœur, ça t'intéresse pas? Ouf. Pas forcément envie de chanter avec Mimi Mathy déguisée en pingouin ou je sais pas quoi. J'avoue. Après, évidemment, c'est une bonne cause et faut les aider aussi, hein, bien sûr. Mais je trouve qu'au fil du temps, avant, c'est vraiment les grandes stars qui faisaient le Resto du Cœur. Ou alors, bon, c'est moi qui vieillis. Peut-être que je connais pas les nouveaux aussi, mais. Mais il y en a. Bon, j'aime bien Liliane Folly, mais franchement, on la voit, à part au Resto du Cœur, on la voit plus beaucoup sur scène, quoi. Et je pense qu'elle va finir au Resto du Cœur elle-même en tant que demandeur, quoi. Donc bon, voilà. Les artistes comme ça, c'est pas forcément... je pense que ça sert plus leurs intérêts à eux que les autres. Après, je dis ça, c'est méchant. Hein. Elle fait sûrement ça pour le plaisir, pour faire plaisir, pour aider. Donc, c'est salaud de dire ce que je dis là, évidemment. Toujours réfléchir à ce qu'on dit. Mais bon, voilà, c'est comme ça que je le ressens. Donc, vous me connaissez, moi, je vous dis les choses... que ça vient, mais ouais, ça empêche pas de réfléchir un petit peu et puis de se dire, avant de cracher sur les gens et de dire du mal, réfléchissons un peu, est-ce que vraiment ils sont mal intentionnés, est-ce qu'ils sont vraiment intéressés, etc. Pas forcément, quoi. Moi, j'ai toujours tendance à voir le bon côté des choses. J'ai toujours du mal à me dire, ah, ils font ça par intérêt, machin. Je dis toujours que les gens, ils ont un bon fond, au final. Donc voilà. Donc, y a tellement de trucs horribles dans ce monde, quand il y a des gens qui font des trucs bien, pas commencer à gratter pour voir s'ils le font pour leur intérêt propre ou pour le bien des autres, quoi. C'est déjà bien d'être un peu altruiste quand même. Voilà, c'était la minute philosophique. Maintenant, je vais aller tuer des gens. Arrêtez les conneries un peu. Alors, puis Joël, bah, si je savais où j'allais. Déjà, je prends une petite douche parce que je suis un peu crado. Voilà. Ouh. Bon bah ça va, il m'a pas vu. Il me mate sous la douche, hein, mais... Qu'est-ce que c'est que ces mecs? Ouh là là, il y a des raies de lumière là. Je vais rester sur le côté. Bon, au moins je serai propre. Oh. Mouillé mais propre. Bon, pour le moment, tout se passe un petit peu trop bien. J'ai l'impression que c'est pas moi qui joue. C'est pas tout à fait normal. Alors, tendons l'oreille. Ils sont par là-bas, visiblement. Les copines sont là. Oh, il y en a un qui arrive là. Il nous suit avec sa petite lampe. Les claqueurs, ouh, ça y est, ça va devenir... Les ennuis commencent. Merci Tunaktoum, c'est gentil. Abonnement. Alors évidemment, n'hésitez pas, on parlait du Z-Event, n'hésitez pas à leur envoyer des sous. Hein. Ils ont vraiment battu des records à chaque édition, donc... On va pas que ça s'arrête, c'est vraiment super ce qu'ils ont réussi à faire. En plus, j'ai pas bien suivi, mais je crois que cet été, ils ont... Ils ont trouvé une assos, ils choisissent toujours une assos différente à chaque Z-Event, et ils en ont trouvé une, et il y avait une petite polémique à 2 balles, ou je sais pas quoi, enfin, les gens commençaient à un peu râler, enfin, c'est bizarre. Et du coup, Zerator, il a fait un truc très bien, il dit, bah, dites-moi, si on prend pas cette assos, on prend quoi? Et puis les gens ont voté pour plein d'assos, et je crois qu'ils ont pris celle qui a eu le plus de suffrages, en fait. Je sais même pas d'ailleurs pour qui c'est cette année, vous savez ou pas? Donc du coup, c'est pour la reine qui vient de claquer. Non, c'est pas ça la... c'est pas ça la bonne cause de cette année. On va aller offrir des funérailles un peu dignes, parce que là, on voit un carrosse tiré par 143 chevaux. Parce qu'elle avait 140 ans quand même. Merci Fabio Rhodes, hein, c'est gentil tous ces abonnements-là. Le WWF et si je sais pas, bah très bien, voilà, on va sauver des pandas. S'il en reste, c'est pour Pécresse. Oui.
C'est un animal en voie de disparition, hein. C'est normal. Ah, qu'est-ce qu'on a ri, n'empêche. Ah, elle me manque, moi, elle me manque. Franchement, c'est... Je vous l'ai dit, hein, j'avais regardé... Elle avait fait un meeting, je sais plus où. Je me suis farci tout le meeting, mais c'était drôle. Le pire stand-up que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi peu sincère. C'était incroyable, quoi. Et vous avez manqué. C'était fou. Tout était comme ça, quoi. Ah là là. C'est dommage. Alors, là, t'es présidente, on aurait rigolé. Au moins. Oh là là, oh là là. Ah, ah. Le chat et la souris. C'est moi le chat. Hop, c'est toi le chat. Voilà. Un jeu d'acteur zéro. Ah oui, le Jet Li, on est d'accord. C'était... Quelqu'un a dit, elle ferait vraiment une très bonne présidente dans Plus belle la vie. Je me demande d'ailleurs, c'est pas si un de ses coachs n'était pas un acteur de Plus belle la vie ou... Je sais même pas si c'était une rumeur ou si c'était vrai, mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Elle avait un coach en communication qui était genre le metteur en scène de Plus belle la vie ou un truc dans ce goût-là. Voilà. Ça c'est fait. Je vais ramasser une petite brique. Où est-ce qu'ils sont? Ah. Lui, il est en hauteur. Alors, en même temps, je suis loin. Ah, les filles sont déjà là, ok. Ils m'ont pas attendu. Oh ouais, lui il est loin, il va rien voir, non? Ouais. Petit peu peur, il a quand même bougé sa lampe torche. C'est de pas faire de bruit. Coaché par un ex-acteur de Plus belle la vie, en effet. Ah, c'était pas une légende, Matt Flag. Ouais. J'adore ça sur internet quand... Genre, bien, il y a le conte parodique de Sandrine Rousseau, là. Je crois que... Ça s'appelle Séverine Ruisseau, ou un truc comme ça. C'est drôle. Et ils se foutent de sa gueule. Ils font des fausses déclarations. Débiles. Mais limite crédibles, parfois. Et du coup, j'ai vu un tweet où les gens... Il y avait un quiz, en fait. Et il y avait des déclarations qui étaient des vraies et des fausses. Et on savait pas laquelle venait du compte parodique et laquelle venait de son vrai compte, en fait. C'était vraiment drôle, quoi. Alors. Ah, ça a l'air d'être un cul-de-sac, les filles. Qu'est-ce qu'on fait? Au moins, on n'est pas sous la pluie. Ouais, bah, c'est déjà ça, mais je suis pas sûr qu'on... Il a aussi joué dans Julesco, dit Matt Flag. Ah, ok. Bah ça, je sais pas si vous avez remarqué... Tous les profs de théâtre, souvent, je trouve ça marrant, quand vous voulez prendre des cours de théâtre amateur, le prof, il est comédien, mais en fait, il bosse pas beaucoup, quoi. Il n'a pas, on l'a jamais vu dans les films, on l'a jamais vu dans des grands rôles, mais ils ont tous fait un Commissaire Moulin, un Julie Lescaut, un Mimi Mathieu Ange Gardien, les références, c'est toujours ça, en fait. Et donc, sont censés enseigner l'art du théâtre et tout, et ils ont joué dans les petits téléfilms pas terribles et tout ça, donc ça fait toujours un peu pitié, je trouve. C'est lui qui me donne des cours, bon. Peut-être pu en choisir un qui a un peu plus de prestige, mais pourquoi pas, quoi. Et en même temps, bah voilà, ils arrivent à bosser, ce qui est quand même bien. Après, pour donner des cours, faut quand même connaître un minimum le truc, là. Un peu comme les profs qui sont en train de recruter en deux jours, là, c'est spectaculaire. En haut, dans ce conduit. Ah, alors, d'accord, mais juste avant, j'ai vu qu'il y avait une petite pièce, là. En même temps, j'y vais en courant, est-ce que c'est une petite bonne idée que ça? Bon, c'est la chaudière. Alors, ça va vous coûter bonbon pour cet hiver. Mais j'ai révisé le carburateur, ça devrait aller, ça devrait tenir. Ah. Quand même, enfin des petits trucs à récupérer parce que je trouvais que ma curiosité n'était pas beaucoup récompensée jusqu'ici. Chaque fois que je fais un petit détour pour essayer de trouver un peu de matos, je trouve pas grand chose finalement. Ah, des ciseaux, du bandage. Je vais pouvoir faire peut-être me bricoler un petit truc.
Eh non, pas encore. Même pas un sur un. Même pas un medikit, non, vraiment. Il y a un des profs qui a décisionné après seulement 3 heures. ça m'étonne pas. Bah, ma femme est prof, donc elle connaît. Des fois, elle voit des gens qui arrivent du privé. Ils disent, ah, c'est cool, prof. Ils ont des vacances tout le temps, ils foutent rien. Ils sont tout le temps en grève, ils sont tout le temps malades. Ils ont 2 heures de cours par jour. Le reste du temps, ils foutent rien. Voilà. Je vais me régaler. Et puis les mecs, au bout d'une semaine, ils se rendent compte à quel point c'est dur d'être devant des élèves toute la journée, au lieu d'être au bureau à fumer des clopes et aller boire un petit café avec les collègues de temps en temps. Ils disent, ah, finalement, c'est super dur, je vais retourner dans le privé. Et franchement, ça arrive très souvent, ça. C'est assez drôle, en fait. Après, vous avez tous été à l'école, j'espère, pour vous. Vous avez tous vu que... Vous avez tous eu des bons profs, et des mauvais aussi, mais... Et c'est des bons points que vous avez tous vu à quel point ils bossaient finalement. Donc, assez injuste l'espèce de cliché qu'on a toujours sur eux, c'est vrai. Je dis pas ça parce que ma femme m'a dit de le dire, hein, je le pense aussi. Bosser avec des enfants, c'est un vrai boulot. Ouais, tout à fait, Copernic. Exactement. Un public assez particulier, c'est vrai. Une fois, j'avais gardé une classe de maternelle, juste c'était leur spectacle de fin d'année, j'étais allé filer un coup de main, c'était dans le gymnase avec des petits costumes en papier crépon, et ils étaient, ils devaient être 12. J'ai dû garder les 12 pendant une heure en attendant que ce soit leur tour d'aller sur scène. Mais moi tout seul, avec 12 enfants qui couraient partout dans le gymnase, qui grimpaient aux cordes, qui sautaient sur les trampolines, c'était intenable. Moi, j'avais aucune autorité sur eux, ils me connaissaient pas, donc j'ai tenu une heure, je sais pas comment, et je me dis, mais comment ils font les... Les profs, les maîtresses et tout, surtout avec des tout petits, ils ont aucune notion de... Attention, si tu fais ça, il va t'arriver ça. Ça n'a aucun effet sur eux. Ils réfléchissent pas du tout à long terme, c'est l'immédiat. Ils voient un truc, ils veulent le prendre, ils le prennent. Peu importe les conséquences, il faut qu'il ait son truc. Et donc c'est ingérable. Je sais pas comment ils gèrent les maternelles en fait. Ellie est grande, elle n'est pas en maternelle. Mais il va falloir la gérer quand même, elle a son petit caractère aussi, c'est vrai. La différence entre un bon prof et un mauvais prof, le bon prof il voit un élève, il tire. Oh oui, aux États-Unis Nico, mais chez nous. Oh, j'ai vu un truc horrible au zapping, c'était la rentrée aux États-Unis, la maman qui donnait à son fiston un cartable Spider-Man blindé. Elle disait, ah, si jamais il y a un school shooting, quand le tireur est là, surtout tu te mets derrière ton sac. Bonjour la rentrée. Nous on se plaint. Oui, les profs sont pas terribles. Eux ils ont des gilets pare-balles. Ça va encore, ça va. On n'est pas encore au fond. On a l'impression des fois, mais voilà quoi. Oh, on est dans le 9-3. Oh bah merde alors. Eh ben voilà, j'avais raison. Montreuil. Oh, je suis pas sûr que Montreuil soit dans le 9-3 d'ailleurs. Ah non, c'est l'Interstate 93, excusez-moi. Toutes mes excuses au gars du 9-3. C'est marrant, c'est sûr, il y a des ambiances différentes, avec la brume et tout, la pluie, quand il fait beau, c'est très différent, la végétation qui apparaît encore mieux, là, toute cette palette de gris, c'est magnifique, quoi. Chaque fois, c'est fou, c'est vraiment... Ils arrivent vraiment à trouver des trucs... Oh, oh, oh. Ben, je veux pas... On va faire demi-tour, d'accord. On est en sécurité. Ouais, c'est gentil, Tess. Oh, pas trop. Ah vache. Après, comment des zombies ont pu faire ça? Est-ce qu'un zombie a pu mordre dans cet immeuble? Grande gueule, le gars, quand même. En fait, c'est... Ok, il y avait un documentaire qui était assez génial, qui montrait... je crois que c'est... Earth After Human ou un truc comme ça, qui montrait ce qui se passerait si les humains disparaissaient de la Terre. Au bout de combien de temps les immeubles s'écroulent, au bout de combien de temps la végétation recouvre tout, voilà. Au bout de combien de temps tous les générateurs, toute l'électricité s'éteint, etc. C'était vraiment très intéressant. Et ça allait jusqu'à 10 000 ans plus tard et tout ça. Et en fait, faut pas tant de temps que ça pour effacer toute trace de civilisation et que tout soit...
rasé, à l'état de ruine. Ça prend pas tant de temps que ça, finalement. Ah ! Je peux lire ce texte. L'édifice Goldstone. Alors moi, je suis allé à Boston, j'adore cette ville. Je trouve que c'est une ville américaine géniale. Et des fois, je reconnais des endroits, c'est assez génial. Ça, ça me dit rien, mais il y a des endroits qu'on peut reconnaître. Pour commencer, si vous allez aux États-Unis, allez à Boston. C'est une ville dans laquelle on peut se balader à pied, contrairement à la plupart des villes américaines. Elle est très européenne et très très sympa, vraiment. Beaucoup aimé. Aux 50 000 ans pour effacer les traces d'humains à la surface. Eh ouais. 50 000 ans avant de voir disparaître toute la discographie de Céline Dion. C'est long quand même. Faut pas faire avant. Y'a quoi là-dedans? Y'a rien. Ah bah on me fait ouvrir des tiroirs pour rien. C'est pas très charitable. On a déjà vu les changements pendant le confinement mineur. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai, Citizen Slide, t'as raison. Par exemple, les oiseaux. Le chant des oiseaux qui revenait, qui était encore plus fort, ou des trucs comme ça. Pas beaucoup de temps avant qu'il y ait à nouveau des ours ou des trucs comme ça. Oh. C'est pas propre. Il s'est fait massacrer. Oui, je peux le dire. Il chaussait du 32 et il chausse plus rien. Il n'a plus de pied. Voilà. Oh oui, sa chaussure. Allez, range ta brique. On repart ici. Ah, il y avait un truc à voir. Il y avait un truc à voir là. Allons-y. Ah, c'est fou, ouais, même un petit bureau comme ça, avec le tableau et tout, les chaises, la poussière sur les trucs, c'est fou ce qu'ils ont réussi à faire. Ah, voilà, un peu de matos. Enfin, ma curiosité est récompensée. Ah non, mais même la texture d'un tableau Velleda, quoi, ils arrivent à rendre ça avec les reflets dedans et tout, c'est fou. C'est fou, quand même. C'est beau. 80 balles, mais c'est beau. Alors lui, il a laissé un petit mot. Je peux le lire? Qu'est-ce que ça raconte? Contact négatif, Moon patrouille vers l'ouest. Contact toujours négatif. Contact multiple. Atwater, chat et coulis du mort. Voilà. Ils attendent l'évacuation. Bah visiblement, il a attendu un peu trop longtemps. Il a plus de bras, j'ai l'impression, non? J'ai l'impression qu'il manque. Oui, il manque des mains là. Et plus des gens, c'est des puzzles en fait. Ils sont un peu mal en point. Est-ce que je monte encore d'un étage ou est-ce que je vais voir Berk? Merde, un claqueur. Ah, les blagues, les claqueurs. Ah bah très bien, on va finir la soirée en claquant des dents puisque. Mais alors ils sont aveugles, si on veut. Voilà, c'est ça. Ils vont pas nous entendre. Comme les chauves-souris, exactement. Elles se déplacent et sentent au radar le mouvement. Donc, si on fait des mouvements lents, ça passe. Voilà, tout ça pour venir chercher. Ah, bah quand même, ça valait le coup. Voilà, avec ça. Allez, je vais avoir le droit de confectionner quelque chose. Non, je vais même pas avoir le temps de faire du crafting ce soir encore. Bon, bah non. Mais presque, ok. Peut-être de quoi améliorer mon arme, on va voir. Salut Panthère, salut à ceux qui nous rejoignent en cours de route. On va rentrer dans le royaume des claqueurs, autant dire que ça va devenir vraiment flippant. Encore une fois, moi j'avais oublié à quel point c'était flippant. Quand on est là, essayer de ne pas faire de bruit parce qu'on n'a pas les armes qu'il faut pour se défendre, c'est vraiment des moments ultra flippants. Bon, j'allume la lampe, hein, elle l'a bien dit, ils sont limite aveugles, ils réagissent seulement aux vibrations, au bruit et au mouvement. Donc... si on y va doucement, ça devrait aller. Ah, oh, c'est glauque les dessins d'enfants et tout. Oh. Ok, il n'y a rien par là, je vais quand même voir. Ah, voilà! Ça y est, ma curiosité commence à être récompensée. Tout à l'heure, ils ont essayé de me décourager en me faisant ouvrir des tiroirs vides. Maintenant, oh, dégueulasse ce canapé là, on ne pourra pas le revoir. Ok, bon, j'ai fait le tour.
Les claqueurs font trop flipper, mais tout à fait. Tout à fait. On va en voir, vous allez voir. Eux vont pas nous voir, mais nous. Donne-moi un coup de main. Et normalement, je dois avoir. J'ai gardé 2 sur 1, donc. Je pars avec un bon. Oh, beaucoup trop de bruit! Oh! Petit quick time event vite fait, heureusement il n'y en a pas beaucoup dans ce jeu. Ouh, 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 ouh. Ouh, j'ai beau être matinal, j'ai mal. Ça va? Ah mais on va faire gaffe maintenant. Les claqueurs veulent. À l'apéritif. La vache, comment c'était tendu? Tu l'as dit. Ah, je vois que je peux ouvrir ce placard. Oui, très bien. Allez, je peux faire un medikit là. Ah. Et non, il me manque encore des compresses. Alcool et tissu. Il me manque de l'alcool. J'aurais pas du tout boire. Regarde, j'en trouverai tout à l'heure. Pour moi, les bouteilles que j'ai récupérées, c'est pour les lancer sur des gens. C'est du gâchis. Un château à Argo 1983. Quel dommage. Ah, mais ça y est, je peux... Ah bah oui, je peux confectionner. Ah bah merci. Voilà. Et je suis pas bien en point, donc on va l'utiliser tout de suite. Non, oh, j'ai dit medikit. Non, ah, je vais y arriver. Voilà. Voilà, je vais tout de suite mieux. Je mets des claques aux claques. Ah, je vais essayer, Seb Master, je vais essayer. Donc, est-ce que j'ai bien des surins? Oui, j'en ai 2, donc ça c'est bien. Est-ce que je peux créer des surins? Bien plaisir. Oui, confectionner, parfait. Paf, 3. Normalement, je suis bien. Et ça tombe bien parce que ça va commencer à tourner mal. Fermé? Ah bon, bah j'ai pété un surin pour rien. Mais j'espère que c'est pas pour rien. J'espère qu'il y a des... Ah voilà, il y a de la drogue. Ces simulants permettent d'apprendre de nouvelles compétences. Ah bah voilà, très bien. On va faire ça. Ah voilà, il y avait du matos. Bon bah ça valait le coup. Hein, plein de matos pour améliorer les flingues. Et là-bas, j'espère qu'il y a aussi des trucs. Ah, cette pièce, vraiment, ça valait le coup. La bouteille, c'est dommage, c'est pas de l'alcool, mais... Hop. Oh, regardez dans cette étagère. En détail. Un petit claqueur et au lit. Une pipe, un claqueur et au lit, j'avais pas vu le début de la phrase. Après un claqueur, pas trop envie de batifoler. Parce qu'ils sont quand même assez dégoûtants, faut bien dire ce qu'il y a. Est-ce que je peux refaire un surin? Oui, parfait. Voilà, et je voulais apprendre des compétences. Mais j'ai pas assez de gélules. Ah, dommage, dommage. J'aurais pu améliorer des trucs. Bon, c'est pas grave. Il y a un tout petit côté RPG. Voilà. Améliorer les... Surtout le matériel finalement. Oh, j'ai cru que c'était 2 claqueurs. C'est des claqueuses en fait. Elles claquent des fesses surtout avec le bruit que... Le bruit qu'on entend. Bon, là c'est un peu trop haut. Donc on va essayer de passer par ici. C'est les... ce qu'ils ont mis là. Oh ah. Ouais, on est d'accord, Burke, le gars a eu un léger problème. Toujours fouiller les bureaux. Voilà. Petit tiroir qui n'attendait que moi. Avec rien dedans, bah, c'est pas sympa. Il y a du monde au balcon. Oui, c'est vrai. Ah non, c'est Yoda, monde au balcon qui vient d'arriver. Ok. Les deux, ça marche pour les deux. Allez, on va grimper là. Il a glissé, chef. Alex Kawatch. Il a eu un mauvais trip. Est-ce que les claqueurs, c'est ceux qui font du clacos? Peuvent te réduire en purée. Quel fromage est en purée? La cocoyote. Donc là, on est 3. C'est encore un peu rassurant. Mais après, bah, on se retrouve tout seul avec Ellie, quoi. Mon grand, c'est gentil comme on m'appelle, c'est affectueux. Il a eu une gastro, dit l'objet. C'est possible.
Allez, claqueur au placard. Cachons-nous. Ouais, oh, vache. Ah, la scène avec les T-Rex dans la cuisine. Dans Jurassic Park. Ils sont vraiment dégueulasses, quoi. Et puis l'idée de base, c'est un champignon, le cordyceps, qui parasite l'être humain. Du coup, ça marche plutôt bien, l'idée d'avoir le corps abîmé par ce champignon, quoi. C'est bon, belle diversion. Oh là là, on est haut, là. On est haut, puis il n'y a pas trop de murs. Un petit peu flippant. Bon, je garde ma bouteille à la main. On sait jamais. Ah, voilà. Et bah ça a bien marché la diversion. Je vais... Voilà. C'est par ici. On est passé. Je crois qu'ils sont capables de grimper, donc quand même se méfier. Tout le monde est là. Je me suis pissé dessus. Moi aussi. Ça tombe bien. Alors. On monte, on descend. Bah, on descend. On n'a pas le choix. On est obligé de descendre. Hop. Côté par-dessus ce truc-là. Ah mince, quelqu'un a laissé un gros secrétaire. Bah, on va le pousser. Oh, le bruit du métal, ça fait grincer des dents presque. Les claqueurs sont pas si différents des ados en pleine crise d'acné. Oui, c'est vrai. Ils peuvent être aussi pénibles. C'est ça qui est. Moi, je vois mon fils, il a 5 ans, mais des fois, il nous fait des crises d'ado, quoi. Il veut rien faire, il nous engueule, il fait sa petite crise d'autorité, quoi. Vraiment des moments où ils sont ados à 5 ans, quoi. Maintenant, ça arrive quand même vachement tôt. Ben, j'espère que ça va bien se passer. Oh là là. Et on n'a pas envie d'être là. J'ai le même à la maison, dit Alex Kawaii. Oui, c'est vrai. Mais c'est des vrais ados, ils ont pas... Enfin, il y a des vrais ados dans l'eau, mais... Mais ouais, là, je trouve que... Je sais pas, est-ce que c'est leur... l'école, ou je sais pas. Mais on m'avait dit ça, que les tout petits avaient des sortes de pré-crise d'adolescence où ils testent leur autorité, ils se rebellent, pour rien des fois. Juste parce que leur ami des chaussettes bleues, ils voulaient des rouges. Ça part en drame absolu, quoi. Drama à côté des influenceurs, les youtubeurs, c'est que dalle à côté d'un enfant de 5 ans. Même si la plupart influenceurs ont le coefficient intellectuel d'un enfant de 5 ans. Ah, je vais reprendre une planche avec des clous. Ça marche toujours. C'est toujours un petit succès, ça. Oh, l'immeuble est tout de traviole. Ah, un flingue que je n'avais pas. Il manque à ma collection. J'ai pas ce problème avec mon chat, dit Nudentos. C'est vrai, les chats sont... Oh, quoi que les chats, pareil. Il y a des moments où ils font quand même leur petite crise d'ado, quoi. Très bien, donc maintenant... Je peux avoir un flingue qui fait des gros trous dans des gens à la place du petit flingue. Les filles se sont planquées, c'est pas bon signe. Ouf, j'ai pas vu qu'il y avait un trou. J'ai cru que c'était une flaque. Ouf. Lui, c'est pas un claqueur, c'est un zombie normal. Donc je peux y aller en mode furtif tranquille. T'as du pain sur la flanche. T'as glissé, chef. Oui, c'est vrai. C'est la thématique de la soirée. Différentes sortes de glissades. Allez, une petite douche. Je vais être couvert de sang en plus depuis tout à l'heure. Ah, ça je vais prendre ça. C'est plein. Ah ouais, bon, ok, je suis au maximum. Très bien. Tant mieux pour moi. Ouf. Merde, ils sont deux. M'occuper de celui-là d'abord. Ah, ils ont mis un truc à caution wet floor. Attention de ne pas glisser.
Voilà, grâce à mon surin, je peux faire ça à un claqueur, alors qu'en temps normal, je pourrais absolument pas faire ça. Je peux pas le tuer à main nue. Il faut vraiment que j'ai un... du matos. Et lui, c'est un claqueur ou c'est un zombie? C'est un zombie normal. Très bien, zombie normal, j'ai pas besoin du surin. Voilà, l'élimination suffit. Surtout bien économiser, c'est sûr. C'est le squat du crack à Paris. Ça doit... Oui, je pense que ça ressemble à ça. Avec des mecs encore pire. Oh. Oh putain, d'où elle sort? D'où il sort? Oh, ils sont deux. Ouais, je ne sais pas, j'ai pas le temps de vérifier leur genre. On va y aller. Oh. Ouf. Ah bon, bah ouais, j'ai vidé mon chargeur. Je vais reprendre l'autre flingue. Il était très bien. Voilà, il y avait plus de munitions. Wouah. Ah bah voilà, merci. M'ont livré les munitions. C'est Uber munitions, il n'y a qu'à demander en fait. Ah, un petit medikit. Je vais peut-être le prendre parce que... je me suis un peu fait toucher. Voilà. Un petit... Ah oui, il est déjà l'heure. Oh la vache, ça passe trop vite. Ça passe trop vite. On va continuer encore un petit peu. Mais j'ai vu que j'avais un SMS. Je vais regarder. Ça doit être les meilleures vannes et les meilleurs pseudos. Ça y est. Les mes nominations. Il y en a encore qui peuvent peut-être tomber. Ce que je vais faire, c'est que j'ai tourné un level 1 mercredi matin. Je commence après ça, au début du musée. Donc, on va y aller. On va aller jusqu'à la scène du musée. Comme ça, ce sera raccord. Cette semaine, vous pourrez voir le level 1, la suite de ce stream, du coup. C'est bien fait, moi je les ai enregistrés dans le désordre, mais ah, il faut que je secoue la manette, voilà, pour remettre de la lumière, recharger la batterie, en fait, de ma lampe torche. Donc c'est pas mal, vous avez vu, c'est pensé quand même, hein, ces émissions. D'un côté, l'émission sur Game One, enfin d'abord le stream, puisque vous allez voir ça d'abord, et ensuite la suite du stream sur Game One. Fou! De pas faire les mêmes vannes. d'un truc à l'autre, je crois pas avoir fait les mêmes mercredi, mais... alors, du coup, je suis revenu sur mes pas. Ça m'a perturbé, cette histoire. Le musée des horreurs. Oui, c'est vrai que c'est ça. Ça va être le musée des horreurs, vraiment. Après, la différence, c'est que sur Game One, je vous ai pas, vous, là, en direct. Je ne vois pas autant de vannes et de trucs. Il y a quelques messages sur Twitter, heureusement. C'est quand même d'être un peu interactif, mais pas autant que là. Là, je me régale. Salut Eko Saiba, salut à ceux qui nous rejoignent. Ah bah je fais le tour en fait, je fais le tour depuis tout à l'heure là. Je suis revenu... Oh, il y a des munitions. Il a fait de revenir du coup. Est-ce que je pourrais pas monter là-dessus? Non. Ok. Ah. Merde, c'est un cul-de-sac quand même. Il y a peut-être un trou dans le mur ou le plafond que j'aurais pas vu. Ah, les bruits. Ils vous font flipper avec juste des bruits. Ah, bah voilà, là, je peux monter. Ça me rappelle Dead Space. Bord du vaisseau où il y a vraiment plein de bruits sans arrêt qui vous font sursauter. Pas forcément des monstres, mais les bruits de métal, des trucs comme ça qui... sont flippants. Et puis Alien Isolation est très fort pour ça aussi. L'ambiance sonore est dingue. Il y a plein de tuyaux qui sifflent, des trucs comme ça, des trucs qui font pssss. Et du coup, ça fait un peu le même bruit que l'alien. Dépêchez-vous, les filles, je tiens. Si je lâche. Là, j'ai la manette qui vibre. Je sens les muscles de Joël qui sont tendus dans ma manette. Pour une fois, ils ont bien géré la manette avec le retour haptique et tout. Ah oui, ça vibre de plus en plus. On sent qu'elle a du mal à tenir. C'est bien vu ça. Oui, dans Alien Isolation, ce qui était génial, c'est que le vaisseau lui-même faisait des tas de bruits qui pouvaient passer pour le bruit de l'alien, et on pouvait pas se battre, on pouvait pas se défendre, on pouvait que se cacher, et c'était vraiment ultra flippant. Ah, un peu, quelqu'un a laissé du scotch, des ciseaux, ça me va. Je prends. L'ordinateur est pas, j'ai ça pour toi. Pas en forme. Merci. Qu'est-ce que tu as pour moi? Pas vu. J'ai pas vu, bon, bah... tu me l'offriras à Noël, voilà. Wow.
Alors, est-ce qu'on peut descendre ici? On descend, oui, mais par où? Faudrait aller par là-bas. Sauf que... je vois pas... si, là, je peux. Ok, on y va. Un raid de Cyril. Merci, Cyril, c'est gentil. Bienvenue, les petits amis de Cyril. On est en train de se faire tuer dans Last of Us. Oh, quoi qu'encore, je suis pas mort. Me dites pas que je suis pas mort depuis le début de cette émission. Si, je suis pas mort, je crois pas. Je suis même pas tombé dans un trou comme une merde, quoi. Comme d'habitude, je... Mais qu'est-ce qui m'arrive? Bonsoir, je suis le sosie de Marcus. Le même physique, mais je joue bien. Je fais les baptêmes, les bar mitzvah, les soirées d'anniversaire. N'hésitez pas à me contacter au 08 36 36, ça appelle non surtaxé. Ah, j'ai les pieds dans l'eau. C'est toujours bizarre quand je meurs pas. Ah, là, il y a un petit passage. Hop. Russes. Les Russes qui ont tout cassé. J'aime bien faire ça, apparemment. Hop, je récupère un peu d'alcool. Ah oui, c'est ça. Il y a écrit russe, il y a de l'alcool juste à côté. Comme par hasard. Et là, Oliver. Ou Olive, je ne sais pas. Oliver Leaf. LLF, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il faut que je monte? Je vais passer par là. Je me baisse. J'ai peur des rochers, enfin ça, ce jeu me fait tellement flipper. Je vois un rocher avec une forme bizarre, j'ai l'impression que c'est un claqueur. Bon, ils ont des têtes de rochers en même temps. Un peu des têtes de rochers Suchard, oui, oui, truc. Je suis désolé, plus jamais vous en mangerez à cause de moi. C'est moche. C'est très moche ce que je viens de faire. Alors là, il y a des planches qui flottent, mais il n'y a pas de sortie, hein. Pas de sortie ici. Est-ce que c'est là, sur le côté? Là, j'en viens, là? Je viens de là? Ah bah merde, j'ai fait le tour. Alors, attends. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je tourne en rond, là. Ça ne va pas du tout. Un rocher séchard blindé. Par là? Là, je peux monter là? Intéressant de monter là? Ah, je crois que j'en viens, je suis en train de tourner en rond là. Tourne en rond ou je tourne pas en rond? Je sais pas. J'avance. On verra bien où ça nous mène. Ah non, je crois que je suis revenu. Je suis revenu à mon point de départ. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je crois que quelqu'un a saucissonné une télé. C'est bizarre. Ah bah je suis perdu, ça y est. On tourne en rond, on est d'accord, Max sous les bleus, on tourne en rond, Cruchot. Bien fait, Cruchot. C'était à gauche, il fallait prendre à gauche, n'est-ce pas, hein? Bon bah là, je peux pas sauter. Ah là, c'est le Oliver que j'ai vu tout à l'heure. Non, faut s'enfoncer, je pense qu'il n'y a pas de... à monter. Là, je viens de là. Je viens de là, je viens du blues. Donc, je vais pas y retourner. Non, non, j'en viens de là. On est d'accord, j'en viens. Regarde la carte, il y a un vous êtes ici. Ouais, non, non, je suis arrivé par là. Ok. Je peux pas descendre là, donc on va essayer par ici. Bon, un peu de concentration, si. Si quelqu'un a Wes, qu'il le mette maintenant, ou se taise à jamais. Ah, le petit trou dans la... le petit trou dans la porte, là. Parce qu'il est tout de traviole. Ah, là, il y a un petit espace, je crois pas que je... pas passé par là tout à l'heure, si. Cyrus, voilà. Maïla et Cyrus, j'ai passé par là tout à l'heure. Ok, les filles sont là, donc ça doit pas être là, ça doit être en bas. Sauf que là, c'est un cul-de-sac.
d'accord que c'est un cul-de-sac, je peux pas monter là. Ah. Allez Joël, un effort. On va tourner en carré. JR dit remonte, c'est mal fâché, mal fléché le parcours. Passe par en haut. Ah mais en haut où? On aurait pas dû descendre si profond. Ouais, là c'est... Non, non, là c'est mort, là. Ok. Mais t'es déjà perdu que le... la dernière fois que j'ai joué. Alors, le russe, le côté russe. Je peux monter là? Non. Non, il n'y a que là, il y a que là. Ok. Russe. Ah, Ikizo s'abonne quand même alors que je suis en train de faire de la merde. C'est vraiment gentil, mais je suis très touché, Ikizo. Merci. Tu dois aller vers la lumière. Ok. Ah, mais si je remonte, retourne là où j'étais. Oh bah merde alors. C'est bête de finir. J'avais bien commencé, c'est bête de finir sur un truc pas terrible. Là, j'y suis allé en bas, on est d'accord? Est-ce que je peux grimper sur ce truc-là? Non. Voilà, je suis devant Oliver. Je peux aller sur ce côté? Non. Au-dessus? Non. Là, ça a pas l'air d'être... pas encourageant, quoi. Si je vais là... monter là-dessus. Non. Alors si vous avez des conseils, rejoins le panneau Oliver et c'est à gauche. Ah bah merci. Voilà, je suis devant Oliver. Ah, il y a un petit trou. Par ici. Merci Joël. Et merci, j'ai aimé qui me l'a dit surtout. Merci Pierre Jojo surtout. Ah bah voilà. Bah, pourquoi je l'ai pas vu? Bizarre. Deux fois de suite, puisque ça faisait la même répétition, j'avais du mal à retrouver. Et pourtant, à un moment, je sais pas, j'étais tombé dessus, et ça s'était bien passé, mais... Tess, par ici. Hop, un peu de matos, ça pourra toujours servir. Il a fait un peu la danse des canards, là, il était en train de... Il avait les bras sur le côté, puis... se tortiller. Cocktail Molotov, c'est ça, je peux le regarder. Château Petrus 1884. Un délice. Très bien. Eh ben, je prends. Je le range. Ah, et je peux en confectionner moi-même. Mais j'ai pas assez de matos. Est-ce que j'ai de quoi faire des surins? Non, j'ai vraiment pas grand-chose à faire. Comme des mouches, en ville comme à l'extérieur. Ah, là, bah voilà, un peu de matos. Espérons qu'il reste quelqu'un au point de rendez-vous. Donc nous voilà dans le métro maintenant, les amis. La sortie est par là-bas. Toujours pas de coca disponible. On a tout bu. Violasse, mais bon. Je pense pas que j'aurai un train à ce store-là. Il y en a plus depuis 2000 ans, donc... c'est foutu. Ah, là, petit passage. Hop, allons-y. Il est pas très galant, il partage pas les bouteilles avec les filles. Oh. Et ben regarde, partager avec elle. Est-ce que j'utiliserai pas un cocktail Molotov pour finir de manière un peu festive? Alors, est-ce que j'ai une... Oh, est-ce que j'irai... Ah, oh, je peux en créer. Super, j'ai de quoi faire. Ok. Très bien. Je vais peut-être faire... je vais commencer avec la bouteille. Après tout, j'ai un surin, donc... Voilà, ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché du tout. Je vais le payer cher. Il fallait bien que je meure à un moment dans cette soirée. Je pense que ça va être maintenant. Merde. Mais lâchez-moi, madame, enfin. Allez, le cocktail Molotov, c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment. Ouf. Oh, je l'ai vu. Où est le cocktail Molotov? Je suis perdu, j'ai peur. J'ai peur. Voilà, je l'ai. Allez, cocktail pour tout le monde.
Oh, complètement à côté. J'ai mis les deux à côté. Ah, j'ai mon surin. Heureusement, j'ai mon surin. Je vais recharger ce pistolet. Très vite. Ah, vache. Bouge plus ? Tu bouges plus. Tout le monde va bien ? Allô ? Y'a quelqu'un ? Merci les amis. Merci de ne pas vous être abonné pendant ce moment délicat. C'était vraiment flippant. Ouh ! Oh, mais vous me dites pas que je vais réussir un stream entier sans mourir. Il reste forcément quelqu'un là, quelque part, qui va me tomber dessus au dernier moment. Voilà, je recharge. Ouf, plus belle la flippe. Oui, c'était vraiment ça. C'était dur. Salut Kmoulox, bienvenue chez nous. Alors, je vais marcher lentement parce que... pas du tout à l'abri que ça tourne mal, une fois de plus. Est-ce que j'ai vraiment tout nettoyé? Pas sûr, sûr. Il n'y aura pas des gens avec des grilles derrière les grilles. Ouf. Ah, il est flippant ce jeu, il est vraiment flippant. Goldenbar. Je sais pas si c'est Carambar, mais c'est Goldenbar. C'est une marque de quoi? Je ne sais pas. L'impression d'être sous le ventre d'une baleine, là, avec les côtes sur le côté. Ça, c'est une brique, mais j'ai déjà... Bon, je vais garder ce que j'ai. J'entends quelqu'un. Attendez, je vais tendre l'oreille. J'entends une respiration, c'est peut-être la mienne en même temps. Est-ce qu'il fallait voter pour les morts? Bah du coup, il n'y a eu qu'une... Mais non, je suis encore pas mort. Oui, c'est vrai, tiens, j'aurais dû y penser. J'aurais dû y penser, on aurait dû voter pour les morts. Mais personne n'aurait voté pour zéro. Donc finalement, ça va. Oh, le bruit. Il y a quelqu'un. Dans la machine de... Oh là. J'ai cru que c'était dans la machine à coca. Ah là, il y a un truc, mais si je pète la vitre, à mon avis, je vais repérer. Ça, c'est quoi? T'es un claqueur, toi? T'es grand-père Simpson. On va dormir. Est-ce que je peux sauter par-dessus le comptoir sans... Bon, ça se tente. C'est bon, ça se tente. Voilà le travail. Oh, tout en douceur, tout en finesse. Je suis fier de moi. C'est risqué. Mais il faut bien que je meure quand même à un moment, non? Ah, un peu de matos. En tout cas, voilà, pour un jeu qui date de 2013, c'est fou quand on y pense. C'est juste génial, quoi. Allez, est-ce que... Voilà, ça valait peut-être pas le coup, mais je l'ai tenté. J'entends claquer, là. C'est mes dents. Oh, putain. Je recule, je vais me cacher. Ah, j'en ai vraiment des frissons, c'est terrible. Est-ce qu'il me reste un surin? Oui, j'en ai deux. Je vais même en confectionner un troisième. Si je pouvais... passer dans le dos... Ah, c'est le bruit. Le bruit est vraiment dégueulasse. Ouh, viens vers nous. Hop, je suis malin. Fais le tour. Voilà. Ah, voilà, c'est fait. Merci. Merci, travail de pro, elle a dit. Ah, ils veulent un peu d'affection, un câlin. Très bien. Alors là, j'ai visité. Exit. La sortie est là-bas, visiblement. Mais moi, j'aime bien fouiller. On sait jamais. Si jamais on décide de continuer ce jeu la semaine prochaine, je veux avoir du matériel. Ça va les filles? C'est là? C'est là qu'on va? Ok. Une échelle, très bien, j'adore les échelles. J'en profite, je vois qu'il y a de la cinématique, je vais commencer à regarder mon petit message.
Je vais sûrement me faire tuer pendant ce temps-là, mais... Pour voir quels sont les meilleurs vannes et les meilleurs pseudos de la soirée. Vous récompensez de votre patience et de votre gentillesse. Je vais monter là. Hop. Pas besoin d'un flingue pour monter. Ah bah, tiens, ça m'étonne moi-même, mais... Et oui, et j'arrive, oh là là, mais ce timing incroyable. J'arrive pile poil au début de la scène du musée, où commence le level 1 que vous verrez cette semaine. Oh non mais... Du génie, hein. Faut bien être modeste, mais bon, quand on arrive à ce niveau-là de maîtrise de son émission, du timing du jeu, quand on meurt plus du tout, voilà. Voilà, c'est ça le génie, c'est ça le talent. c'est le bol surtout, c'est le bol. Voilà, bah, je vais le mettre. Voilà, je crois que j'ai commencé le level 1 sur cette vision. Voilà. Je vais laisser Joël ici. Je vais peut-être le mettre sur une voiture dans une position un petit peu classe. Et on va regarder tout de suite. Voilà, oh, ça c'est classe. Ça c'est classe. Voilà. Voilà, avec les deux immeubles. Voilà, là c'est joli. Ou non, là c'est mieux parce qu'on voit, on voit l'eau qui dégouline. C'est encore plus beau. Voilà les amis. Alors, les meilleurs... oui, merci pour vos compliments. Les meilleurs vannes et les meilleurs pseudos. Les meilleurs pseudos. Nous avions le raton lover qui avait déjà été nominé la semaine dernière et qui ne l'avait pas eu puisque j'avais trouvé... Il y avait un autre pseudo qui était encore mieux. Il y avait Cool Estérol qui était très bien. Il y avait Intrépitre. Ah, ils essayaient de me prendre parler de sentiments, c'est normal. Merci LOL pour l'abonnement. Il y avait Monsieur Dubois. J'aime beaucoup la simplicité de celui-là. Il y avait Dark Mollusque. Oh, c'est génial. C'est Dark Maul, mais version escargot. Et Full Metal Kekette. Oh la vache, il y a vraiment du level. Il y a vraiment du level. Je crois que je vais récompenser le raton lover, puisqu'il avait déjà été nominé la semaine dernière, et que, franchement, ça mérite. Je vais pas le faire lambiner non plus 3, 4, 5 semaines. Voilà. Les autres, franchement, vous avez des très beaux pseudos, donc revenez. Et vraiment, avec grand plaisir, je vous renominerai. Jusqu'à ce que vous gagnez. Voilà, donc ça, c'était... Je repasse sur la caméra, la full cam, pour que vous voyez. Ça, c'est la récompense pour le meilleur pseudo, le petit cahier Game One avec les pages. Je vous écrirai ce que vous voudrez. Voilà, simplement. J'aime bien, il a un bon look. Et maintenant, le grand gagnant de la meilleure vanne de la soirée avec le jeu Fist en édition limitée, s'il vous plaît. Super, on verra pas très bien, mais... Ouais, il y a trop de reflets, mais voilà, bah allez googler le jeu, vous verrez. Et de toute façon, j'avais fait un level 1 dessus, donc vous pouvez le retrouver. Je crois même qu'on l'avait fait ici, hein. On l'avait fait en stream, il me semble. Et j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir la version collector, je vous l'offre. Les meilleurs vannes de la soirée. Ils ont Louis à 14, Louis 14. Ah, c'est un cauchemar en cuisine, finalement. Puisqu'il y avait un massacre dans la cuisine. Les ours couvreurs qui enlèvent les plans. C'est très bizarre comme référence. C'était au moment où on faisait des ponts avec les planches. Marlène Schiappa, quand on a pris la fiche quantité de Marlène, c'était très bien aussi. Sam Fisher, la trouille pour Sam Fisher, c'était parfait. Et encore, ils ne t'ont pas dit que son nom de famille c'était Robert Robichet. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. Non, Robichet, ça marche vraiment très bien. Et il y a du jus, Tess, là. Oh putain, ça c'est fort aussi, ça c'est fort aussi. C'est très dur, là, les amis, j'avoue. J'ai souvent du mal à choisir, mais alors là, ce soir, vous avez été très fort. Donc, c'est pas facile, c'est pas facile. Ça me fiche la trouille, je trouve ça très drôle. Mais j'avoue, il y a du jus, Tess, là. Fallait vraiment la trouver au moment où elle est arrivée. Je pense que c'est celle-là la meilleure, on est d'accord. Il y a du jus test, là. C'est une... c'était Maxou Lériette, bien sûr, qui a déjà gagné, mais franchement, c'est mérité. Allez, Maxou, il est pour toi. Fist, tu pourras t'amuser avec ce jeu absolument incroyable. Voilà, les amis. Eh ben, on va s'arrêter là pour ce soir. On se retrouve en vrai dimanche. Tous ceux qui sont à Toulouse, n'hésitez pas à passer me voir à la PopCon. C'est un plus petit salon que d'habitude, ça se passe dans un manoir, donc c'est assez intimiste et tout ça. Donc j'ai pas toute ma bullet team avec moi, je serai tout seul. Il y a Vlacero qui m'accompagne gentiment, mais en gros j'ai pas toute l'organisation que j'ai d'habitude. J'ai des dédicaces, j'ai des photocalls, j'ai des trucs sur scène, j'ai des petites conférences, j'ai plein de trucs, donc
En tout cas, on se croisera tout au long de la journée. J'y suis juste dimanche. C'est samedi et dimanche, la Popcon, mais j'y suis moi seulement dimanche. Si vous voulez me voir moi, venez dimanche. Si vous vous en foutez, venez... Venez le samedi, c'est très bien aussi. Il y a plein d'autres gens, il y a Monsieur Garcin, il y a plein de gens super, donc n'hésitez pas à venir. J'espère le croiser, Monsieur Garcin, d'ailleurs. Voilà, ça c'est dimanche. Sinon, mercredi, évidemment, comme d'habitude, Team Game One, et jeudi, on se retrouve ici, comme d'habitude, pour rigoler tous ensemble. Et là, c'était bien. Malgré la mort de Son Altesse, malgré l'ambiance plombante de ce jeu, eh ben, une fois de plus, on a passé une bonne soirée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est grâce à vous et à vos vannes. Je vois toucher la Fiat à la voisine. J'adore son pseudo. Tu viens dimanche? Ah! Je verrai ton vrai visage. Toucher la Fiat à la voisine, c'est juste génial. Et puis, on se voit à Brest. Oui, Lilith, bien sûr. Je crois que Dindin vous a mis la liste des salons. Le lien vers la liste des salons. Je vais la mettre en ligne là, cette semaine sur mes réseaux sociaux. Donc, voilà. Vous repérez le salon qui vous plaît le plus et vous venez me voir. Ça sera toujours avec plaisir que on vous recevra avec ma petite team. Voilà les amis, j'en profite pour remercier le Dindin qui est hyper réactif, qui tout de suite balance là, les salons. Le Timursan qui rôdait dans le coin, qui file toujours des coups de main et qui s'abonne en plus. Faut que je te rembourse. Hein. C'est pas possible. voilà, bah c'était bien cool, encore une bonne soirée. La semaine prochaine, je sais pas ce qu'on va faire. J'ai récupéré Steel Rising qui me plaît bien, qui est un truc un peu futuriste, rétro-futuriste. Enfin non, c'est pas rétro-futuriste, c'est un peu steampunk, c'est à l'époque de Louis XIV, c'est la Révolution, et Louis XIV envoie des automates, des robots à sa solde, pour mater la Révolution, voilà. Et c'est une sorte de Souls, un peu comme Elden Ring ou Bloodborne ou des trucs comme ça, mais ça se passe à Versailles, à Paris, à l'époque de la Révolution française. Ça a l'air très sympa, donc ça fera de toute façon un level 1, voire peut-être notre prochaine soirée du jeudi, on verra. Sinon, si ça vous a plu et que vous avez envie qu'on continue Last of Us, je sauterai tout le passage que j'ai fait dans Level 1 et on reprendra à partir de là, comme ça, c'est comme une série télé, il y a des épisodes, on peut suivre, c'est multimédia, multi-support, incroyable, c'est vraiment, c'est fou. Steel Rising, la série pour Steel Rising, oui, il m'intrigue beaucoup ce jeu, je vais voir. C'est pas Versailles ici, oui, il y aura des bonnes vannes à faire sur Steel Rising, je pense. Donc, je compte sur vous, bien sûr. Monkiba, encore bon anniversaire, je vois que t'es toujours là. Merci, merci à tous d'avoir suivi, particulièrement à Kiba. Son anniversaire, il est là, au lieu de fêter ça avec un gros gâteau au chocolat. Merci. Touché que tu passes la soirée avec nous, ça fait très plaisir. On est tes amis en même temps, normal de passer la soirée d'anniversaire avec ses amis. Bah les petits amis, justement, bonne nuit ma petite Jade, gros bisous, bisous à JR le zombie aussi, ma petite Kira. Le Kiba, donc on l'a vu, Alex Kawaii, le Pat d'Ours, le Antoine, mon gamer digital, bonne nuit à mon Snekou, merci encore mon Snekou pour toute ton aide sur ma chaîne YouTube, où vraiment... C'est alimenté grâce à Snekou, sachez-le. Voilà, il va vraiment piocher les trucs et il m'hallucine. Chaque fois, il a trois longueurs d'avance sur moi. Voilà. Le soir, par exemple, moi, je vais aller prendre cette émission. Je vais faire un temps fort sur Twitch. Je vais aller l'exporter sur YouTube. Et voilà. Et le lendemain matin, en général, je peaufine. Je mets ça dans la bonne playlist, etc. Et la semaine dernière, je me pointe le matin en me disant « Ah, je vais remettre le truc dans la playlist. » Et le Snekou avait déjà fait la belle vignette avec le beau titre qui... Donc merci mon Snekou, ça m'a fait marrer. Il était très tôt le matin, je vois que t'avais déjà, dans la nuit, t'avais déjà fait le truc pour moi, c'est vraiment très gentil. Donc, big up à l'ami Snekou, vraiment grâce à lui. Vous retrouvez les chez Marcus de NoLive sur ma chaîne YouTube, et on met en ligne, moi je mets au fur et à mesure ce que je fais sur Twitch, mais j'en avais oublié pas mal, j'avais pas, à un moment j'étais un peu paresseux, donc il y en a pas mal à rattraper encore. Tout ça arrive tranquillement, tout au long de l'année, donc... N'hésitez pas, si vous avez raté des trucs, séance de rattrapage sur YouTube. Voilà les amis, bonne nuit mon Vlacero, bonne nuit à tous, bonne nuit Rixis, bonne nuit ma petite Lilith, gros bisous, cochon à plume aussi, le suppôt de sa tante, Solid Snake, mon Mick Zelda, à très vite ici ou ailleurs, je crois qu'on se voit à Valence, Mick Zelda, si j'ai bien compris. Super, d'ailleurs, faudra que je te trouve une entrée. Je réfléchis à haute voix. Tout ce qui passe dans mon cerveau sort directement. C'est embêtant des fois. Ça peut être assez gênant, mais ça va. Snekou, je fais de mon mieux pour le retour des chez Marcus samedi. Oui, franchement, voilà, fais au mieux. T'inquiète pas, y a pas de stress. Les gens sont déjà super contents de tout ce que tu fais. Donc, si c'est pas, on n'est pas à un jour près, on n'est pas à une vidéo près. Donc, vraiment. Pas de soucis. Bonne nuit Sebmeister, bonne nuit Maxou les boulettes, et encore bravo, bravo vraiment, hein, vous étiez fort ce soir, c'était top. Bonne nuit mon petit raton lover, alors vraiment,
C'est classe, oui. Ah bah, tu te maries samedi ? Quoi ? Oh bah génial, ah bah toutes mes félicitations avec de l'avance. Ah génial, génial. Oh bah très bien, je te ferai une petite dédicace. Je te ferai une dédicace dans le cahier si tu veux. Comme ça tu l'auras, voilà. Ah bah c'est incroyable, incroyable. Ah les coïncidences, c'est fou, c'est fou. Et bah bisous à toi et à ta future femme. On l'embrasse et on vous souhaite plein de bonheur. Tous les petits amis, tous ensemble. Bonne nuit à tous, bonne nuit couscous, merguez, bonne nuit full metal caquette. Reviens avec ce pseudo. Tu es sûr de gagner un membre ou un autre. C'est à peu près sûr. Si t'as pas déjà gagné d'ailleurs, comme j'ai Alzheimer, je me souviens pas forcément de tout. Bonne nuit Pixel69, bonne nuit Lidlnise. Bonne nuit à Lila Devine, à ceux que je n'avais pas vu encore. On va aller voir ce que font peut-être nos amis du Z-Event, mon dindin. Je sais pas où ils en sont. On m'a dit qu'il y avait le concert d'inauguration ce soir. Donc, faudrait peut-être aller voir ça. Je vois que le Genius est en ligne. Pour vous envoyer chez le Genius. Il est en train de jouer à... Il est en train de jouer à Warner, à Versus de... Multiversus de Warner. On a notre ami Xo Trixie que j'aime beaucoup aussi qui est là, les potes de Recallbox qui sont là, les potes de Easy Corner, mais il y a plein de gens bien là, il y a plein de gens bien. Voyons voir. Écoute, moi je propose, soit on va voir le Genius, on s'amuse toujours avec le Genius, soit on va voir où ils en sont du Z Event. Là je l'ai pas dans ma liste, mais on peut aller chez Zerator, je pense qu'on va trouver. Vous êtes pour le Genius? Eh oui, le concert est terminé pour ce soir, on peut rejoindre Norman. Parfait, le snake coup, sur tous les coups, incroyable. Incroyable. Eh ben allez, on va faire un bisou au Genius tous ensemble. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. J'envoie le petit générique avec l'ami Tom, si j'arrive à pas me tromper de bouton. Et voilà, on se voit mercredi chez Game One, jeudi à la maison, et avant ça, dimanche, chez vous. Si vous êtes du côté de Toulouse et que vous allez au manoir du prince, n'hésitez pas à passer me claquer la bise. Voilà, c'est mieux que les claqueurs. Les claqueurs de bise, je préfère aux claqueurs de Last of Us. Allez, gros bisous les amis. J'envoie l'ami Tom avec le générique fameux de chez Marcus. À bientôt, ciao. Salut les petits amis, salut, salut, du 21e siècle. Écoutez la saga d'un enfant de la manette, fan de Star et de War, de jeux et de cinéma, de comics, de Pixar et de pot de Nutella. C'est un geek, c'est un rock, c'est une péninsule. Collectionneur d'Ewok, remonteur de pendule, on l'appelle Monsieur Huss, l'intrépide au grand cœur. Mais son vrai nom c'est Marc, le poulet du gamer. C'est le Marcus, Marcus, de Frozen and Last of Us, qui danse la Chewbacca entre deux bonnes bitters. C'est le Marcus, Marcus, de Frozen and Last of Us, ton ami pour la vie. Level 1, souviens-toi, c'était bien, c'était lui, le pionnier des programmes pour players affranchis. Mais non, mais ça marche, qui réinventait Doom au fond d'un corridor. Oh, mais non, mais là, c'est pas mort, avec une tête de clown et les moyens du bord de ta vieille Super NES. Au dernier Mario Kart, il a fait tous les tests, essuyé tous les plâtres, il a tout chroniqué. Et des records, et après tant d'années, on en demande encore. Avec Marcus, Marcus, The First and Last of Us, lui dont le buzz éclaire tous les zinzins du software. Marcus, Marcus, The First and Last of Us, notre ami pour la vie, comme dans Toy Story. L'Atari et au-delà. Il danse la Chewbacca entre deux parts de pizza. Yeah. C'est le Marcus, Marcus, the first and last of us. Ton ami pour la vie et le mien aussi. Marcus, Marcus, the first and last of us. Marcus, Marcus, the first and last of us. Marcus, Marcus.
fini.